kommt bald, vielleicht gewisse Informationen. Wenn Sie sprechen, müssen Sie immer den Mikrofon aktivieren. Das ist der zweite deuxième Button. Top, danke. Und dann sehen Sie, es kommt hier rot. Das bedeutet, dass es aktiviert ist. Und wenn Sie fertig sind, müssen Sie unbedingt das. Das ist für unsere Übersetzerin, das ist ganz wichtig. Und immer natürlich Ihre Namen und Vornamen und Wohnland wiederholen. Gut. Ich kann jetzt auch vielleicht wiederholen, nach dem Lunch werden die Vorstandsmitglieder rechts sitzen, weil die Teilnehmenden an die zwei Podiumgespräche werden hier sitzen. Und ich kann jetzt das Wort an unseren Präsident geben. Willkommen und noch eine schöne Sitzung an alle. Schönen guten Morgen allerseits. Bienvenue à tout le monde. Buongiorno, benvenuti al Consiglio degli Svizzeri all'estero che precede il nostro centesimo congresso. Esiste eine ganz besondere Sitzung, weil wir eben morgen die Feierlichkeiten des 100. Kongresses haben werden. Ja, nicht 100 Jahre, das wissen wir. Es gab einige Jahre ohne Kongress, aber wir feiern den 100. Kongress. Die Sitzung wurde einberufen mit E-Mails vom 21. März und 30. Juni 2024. Die Delegierten sind informiert. Die Dokumente wurden laufend in der Cloud hintergelegt. Ich begrüße heute ganz besonders unter uns Herr Botschafter David Grichting, Direktor der Konsularischen Direktion des EDA, und Herr Laurent Perriach, auch von der Direktion der Konsularischen Direktion EDA, unser Ehrenpräsident Remo Gysin, und entschuldige alle Personen, die sich entschuldigt haben. Ich werde die Liste nicht vorlesen, aber. Und Jacques Simon ist auch. Ah, mais Jacques Simon, bonjour, bienvenue. Tu ne suis pas dans mes petits papiers, mais tu es bien dans mon cœur. Bien, voilà. Bienvenue. Ich erinnere daran, dass nur ISR-Delegierte und Stellvertretende, die anstelle einer oder eines abwesenden Delegierten an der Sitzung teilnehmen, stimmberechtigt sind. Wir üben uns in der ersten Abstimmung wie üblich und wir stimmen darüber, ob wir einverstanden sind mit der Redezeit. Sind Sie mit der Regelung der Redezeit einverstanden? Antragsteller jeweils 3 Minuten, Diskussionsbeiträge jeweils 2 Minuten. Wir stimmen ab. Wer mit der Regelung der Redezeit einverstanden ist, möge das. Ah, aber das. Wir haben alle den QR-Code erhalten und wir stimmen mit unserem Handy ab. Wir machen diese. Machen wir den Versuch. Also, le vote est ouvert. Voyons si ça marche. Also, êtes-vous d'accord? Ah, okay, okay. Ah, in der App sind alle. Also nur, bitte nur die erste beantworten. Können wir das korrigieren?
Unsere Techniker schauen das, um das zu ändern. Sonst können wir das zu Hand machen. Oui, d'accord, mais on veut essayer, on veut tester le système. Le but, c'est de tester le système. Also, wir beantworten die Frage 1 betreffend Redezeit und dann schauen Sie, dass künftig nur eine Frage pro jeweils auftaucht. Voilà, Sie dürfen stimmen. Wir sind bei 26. Ah, ici aussi, oui. Partout, parfait. Es fehlen uns noch einige Stimmen. Haben Sie das System verstanden? Jetzt läuft es. Il y avait évidemment un accident. J'ai pris un taxi, donc je suis resté 10 minutes. 10 minutes. Je regrette. Es fehlen noch Stimmen. Funktioniert das System bei allen? Aber wir sind nur noch bei 43 Stimmen. Ein paar fehlen noch. Bien. Die Abstimmung ist geschlossen. Das Ergebnis 100% Ja, 48 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme, keine Enthaltung. Sie sind mit der Redezeitregelung einverstanden. Danke. Les technische Mitteilung, ça tu as tout dit? Non, très important. Wichtige Mitteilungen. Die Pause am Vormittag findet um 10.35 Uhr bis 11.05 Uhr statt. Die Mittagspause mit einem Stehlunch zwischen 12.30 Uhr und 13.45 Uhr. Die Pause am Nachmittag 15.45 Uhr bis 16.05 Uhr. Und das Ende der Sitzung ist um 17.45 Uhr vorgesehen. Am Anschluss haben wir einen Apéro für unsere Delegierten von 17.45 Uhr eine Stunde lang. Und Herr Freddy Fuchs wird uns während dem Apéro mit seinem Alphorn begleiten. Bitte beachten Sie, dass die Mitnahme von Getränken in den Kantonratssaal nicht gestattet ist. Es dürfen im Saal keine Getränke konsumiert werden. Gut, außer eine Ausnahme gibt es beim Vorstand. Diese Regel stammt vom Kanton Luzern. Wir danken Ihnen, dass Sie sich daran halten. Während des ganzen Tages befindet sich unten im Lichthof ein Tisch mit Meranwasser. Sie können sich dort bei Bedarf bedienen und im Lichthof etwas trinken. Voilà. Und jetzt haben wir die Mitteilung, dass wir 75, also es geht jetzt um zwei Feststellungen der Beschlussfähigkeit.
Der Rat zählt zurzeit 127 stimmberechtigte Mitglieder. An der heutigen Sitzung haben sich bis jetzt 75 eingeschrieben, also sind präsent. Der Rat ist also beschlussfähig, da das verlangte Quorum von ein Drittel, das heißt 43 Stimmen, erreicht ist. Wir hatten sogar mehr als 43 Stimmen bei der ersten elektronischen Abstimmung, was uns bewiesen. Danke. Zur Wiederholung, nur stellvertretende Delegierte dürfen nur abstimmen, wenn sie einen abwesenden Delegierten vertreten. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass das Quorum erreicht worden ist. Gut, jetzt gehen wir zur zweiten Abstimmung. Diesmal werden wir mehr Stimmen holen. Sind Sie mit der gibt es Änderungsvorschläge, was die Tagesordnung anbelangt? Ich sehe keine. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Tagesordnung einverstanden? Bitte, Sie können stimmen. Noch 10 Sekunden, dass Sie die richtige Taste finden. 5 Sekunden. Die Abstimmung ist geschlossen. Das Ergebnis. Wo ist das Ergebnis? Ich sehe das Ergebnis nicht. Zweiundsechzig, ja. Keine Gegenstimmen, null Enthaltungen. Aber es sollte langsam bitte funktionieren, weil sonst geht es nicht. Gut, also nochmals herzlichen Willkommen hier in Luzern. Wir sind wahrscheinlich ein bisschen weniger als üblich. Wir werden gewisse Schlussfolgerungen daraus ziehen. Wir werden das später in der Tagesordnung diskutieren. Zur Information, da wir die Tagesordnung angenommen haben, unter Punkt 11.1 ist ein runder Tisch, also ein vorgesehen, Negociation sur le bilatéral. So, Verhandlungen über die bilateralen Verträge mit der Europäischen Union. Für die SVP war Herr Henrike Schneider angemeldet. Er kann nicht kommen, er wird von Herrn Biegler ersetzt. Wir nehmen das zur Kenntnis. Danke. Wir kommen zum Traktandum 5. Mitteilungen des Vorstandes und der Geschäftsleitung. 5.1, Sommersession des Parlaments. Ah, nein, wir haben noch einen Fehler. Was ist Gondela Pastrovit? Ah, voilà. Entschuldigung, Traktandum 4, Annahme des Protokolls der Sitzung vom 15. März 2024. Das Protokoll ist Ihnen am 11. April 2024 mit einer Frist zur Stellungnahme bis am 30. April zugestellt worden. Die Rückmeldungen von Helen Freiermut, Beat Knoblauch und Helmut Uwer sind berücksichtigt in der neuen Fassung, die Ihnen vorliegt. Genehmigen Sie das Protokoll der Sitzung vom 15. März 2024. Sie können stimmen. Hoffen wir jetzt. Funktioniert es.
Wir kommen zum Traktandum 5. Sommersession des Parlaments. Da gebe ich das Wort Herrn Vizepräsidenten Laurent Verli. Merci, Monsieur le Président. Je crois que c'est bon. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers amis, à mon tour de vous saluer et de vous remercier de votre engagement dans le cadre de cette séance du Conseil. Le groupe interparlementaire suisse de l'étranger s'est réuni le mercredi 29 mai 2024 dans le cadre de la session parlementaire d'été sur le thème « Droit politique des Suisses de l'étranger ». Cette séance a eu lieu en présence du nouveau chancelier de la Confédération, Victor Rossi, et de M. Beat Kueni, collaborateur à la chancellerie fédérale. Il a été question de la suite de l'introduction du vote électronique en Suisse, évidemment à la suite des deux expériences fort bien réussies durant l'année dernière lors des votations de juin 2023, respectivement des élections d'octobre 2023. Et donc dans ce cadre-là, il a été question de la suite de cette introduction. Et le chancelier a clairement mentionné le soutien de la chancellerie pour pouvoir poursuivre cette mise en œuvre. Il a également confirmé la volonté du canton de Genève de reprendre des tests d'e-voting dès que possible. Ça veut dire que ce canton s'ajoute à ceux de Bâle-Ville, Grison, Turgovie et Saint-Gall qui ont, sur la base de l'excellente expérience 2023, décidé de poursuivre également. Il a rappelé l'importance que d'autres cantons déclarent leur intérêt pour alléger le poids financier du système développé par la Poste Suisse et a salué les différentes actions de notre organisation au niveau de l'intergroupe ou du groupe de travail des délégués du Conseil qui ont écrit aux gouvernements cantonaux pour les encourager à introduire ce système de vote, puisque vous le savez, c'est les chancelleries cantonales, les gouvernements cantonaux qui sont in fine responsables de l'organisation du vote dans les territoires cantonaux et donc également pour vous, Suisses de l'étranger. Donc cette séance a permis de vraiment faire un point de situation et de prendre note et de valoriser ce qui a été fait, afin non pas simplement de s'en réjouir, mais surtout pour pouvoir continuer la mise en œuvre, afin d'avoir au cours des prochaines années de nouveaux tests avec toujours plus de cantons, en vue, si c'est possible, pour dès la législature suivante, un élargissement à l'ensemble des cantons de la procédure du vote électronique pour les Suisses de l'étranger. Vous me permettrez de compléter ici l'information, votre information, pour dire que cette notion du vote électronique pour les Suisses de l'étranger commence à séduire même, ou en tout cas à être acceptée par un certain nombre de collègues des chambres fédérales et de milieux politiques suisses qui ont une certaine inquiétude face au vote électronique en général, et où jusqu'à maintenant leur position était non au vote électronique, globalement, et qui maintenant commencent à accepter la nuance de dire pour les Suisses de l'étranger, on pourrait accepter le vote électronique. Ce qui ne veut pas dire que pour les Suisses de la Suisse, ils seraient d'accord, mais c'est la nuance qui est apportée et je pense qu'elle est extrêmement importante pour vous, Suisses de l'étranger. Et donc, nous travaillons étroitement pour avancer avec cette nuance-là et cette précision pour, à tout le moins, commencer en vous rendant service. On pense en particulier aux pays qui ont des problématiques avec leur poste national pour pouvoir avancer sur cette mise en œuvre du vote électronique. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais rappeler, en rappelant évidemment le rôle de plusieurs des collègues qui sont aussi très actifs dans ce groupe, notamment Carlos Omaruga, qui est l'un des coprésidents, Elisabeth Schneider-Schneider, qui sera avec nous également demain et qui est très active également. Ah, pardon, je n'ai pas vu. Elisabeth, tu es là. Elisabeth, qui est très active également, et puis Nicolas Valder, qui nous rejoindra plus tard également, enfin, et d'autres collègues du Parlement qui sont très actifs dans ce groupe. Merci à eux. Merci beaucoup au vice-président Laurent Verli. La directrice a quelque chose à ajouter ? Non ? Merci. Nous allons sur le point 5.2. Weitere Informationen. Un email d'information sur la séance online du comité du 1er juin 2024 et les décisions prises durant la séance a été envoyé aux délégués le mardi 2 juillet. Donc nous avons décidé, vous vous rappelez, de vous informer régulièrement de ce qui se passait au comité pour qu'il y ait une transmission d'informations justement plus régulière. Bon, nous nous arrivons déjà au clou de la matinée qui est l'information de la part du DFAE,
Et la discussion avec le directeur de la direction consulaire du DFAE, M. l'ambassadeur David Richting, je lui donne volontiers la parole. Un, deux, parfait. Alors on va voir si la taille, oui, ça devrait jouer. Parfait. Egregio, signor Presidente, Madame la Directrice, chers membres du comité et du Conseil des Suisses de l'étranger, c'est toujours un honneur et avec une certaine émotion que je participe à ce congrès. C'est beau de voir des personnes qui voyagent d'aussi loin, bénévolement, pour mettre leur énergie au profit des relations entre les Suisses de l'étranger et les Suisses de l'intérieur, et puis pour faire avancer le débat politique. Aujourd'hui, je vais tâcher d'être assez court pour qu'on aille suffisamment de temps pour les discussions, pour vos questions, parce qu'en fait, on est là pour vous écouter surtout. Donc, je vais tâcher d'être assez bref. Tout d'abord, vous redire quelques mots sur la stratégie consulaire. L'an dernier, lorsque j'ai débuté mes activités à la direction consulaire, je venais avec certaines demandes auprès de notre conseiller fédéral, le conseiller fédéral Cassis, et puis en lui parlant de certains projets qu'on a avec d'autres pays pour essayer d'avoir une coopération plus étroite dans le domaine consulaire et avoir une meilleure couverture, ou avec certains projets informatiques, et il m'a dit « mais ce serait important d'avoir tout ça dans une stratégie ». Que le Conseil fédéral voit ce qui est prévu pour ces quatre prochaines années. Et c'est actuellement ce que nous sommes en train de faire, en discussion aussi avec l'Organisation des Suisses de l'étranger, avec nos différents partenaires de l'administration, des cantons, des communes et des différents offices de la Confédération. C'est une stratégie qui sera présentée au Conseil fédéral courant novembre et donc qui sera consultée assez largement courant septembre-octobre et qui s'orientera sur quatre piliers. Le premier, et c'est lié à l'aspect de la responsabilité individuelle qui est indiqué dans la loi, c'est nos mesures de prévention. On a déjà commencé notamment avec la campagne de webinaire que nous avons faite l'an dernier pour que les personnes qui s'expatrient à l'âge de la retraite sachent, je dirais, ou prennent leur décision en connaissance de cause et reçoivent toutes les informations, mais également tout ce qui est conseil aux voyageurs. Donc c'est un petit peu ce pôle de conseils qu'on donne, d'informations spécifiques, pour que les gens puissent, je dirais, voyager bien préparés et avoir le soutien nécessaire dans ce domaine-là. C'est aussi la coopération, parce que les finances fédérales étant ce qu'elles sont, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais c'est très très important aussi politiquement qu'on travaille bien ensemble, que tous les acteurs qui sont actifs dans le domaine des Suisses de l'étranger travaillent main dans la main. On le fait de plus en plus, c'est également un des points. Dans le deuxième, protection et assistance, vous n'êtes pas sans savoir que le monde est devenu un petit peu plus fragile. L'an dernier, on a été confronté à un nombre impressionnant de crises. C'est malheureusement très très triste et ça touche aussi de nombreux Suisses de l'étranger. Dans ce domaine-là, on essaye d'investir dans différents moyens aussi informatiques et dans différentes mesures pour avoir une meilleure coordination et une meilleure efficience dans l'aide qui est concrète qui est apportée à nos concitoyens. Et c'est également typiquement ce qui nous a permis très très rapidement l'an dernier d'avoir en coopération avec Suisse des avions qui ont pu procéder à des rapatriements depuis Israël. Donc le fait de travailler ensemble, ce n'est pas toujours l'État qui apporte une aide, mais le fait d'avoir cette coordination étroite nous permet d'être plus efficients. Et c'est le deuxième axe de notre stratégie. Dans le troisième axe, service aux citoyens, à un moment où on doit faire attention à nos émissions de CO2, mais aussi où nos concitoyens s'attendent à un service, je dirais, accessible et facile, il s'agit ici de mettre des moyens pour rendre les prestations plus accessibles. Plus accessibles, ça veut dire pour essayer d'éviter qu'un citoyen qui vit à Perth doive aller jusqu'à Canberra pour effectuer une démarche. Et donc là, on essaye de digitaliser nos processus, de dématérialiser certaines procédures qui sont encore sur papier pour faciliter la vie de nos compatriotes et aussi
Parce que si le nombre de Suisses de l'étranger croît d'un tiers par génération et que le personnel reste stable, il nous faut évidemment être plus efficient dans la fourniture des prestations. Et enfin, dans le domaine des visas et de la migration, qui vous touche moins, mais qui est une tâche consulaire importante pour notre réseau, il s'agit de mettre en place un nombre impressionnant de projets de l'Union européenne visant à garantir la sécurité des frontières, mais aussi, et ça je le dis toujours parce qu'on voit les visas comme une sécurité, moi je le vois aussi comme une opportunité parce que c'est le premier contact qu'ont les gens avec la Suisse, le guichet des visas. Et on accueille énormément de touristes. Alors Lucerne est certainement un bon exemple, mais également pour un pays qui vit aussi grâce à ses entreprises d'exportation, c'est important que cette procédure soit sûre, mais la plus aisée possible pour les gens qui souhaitent se rendre dans notre pays. Donc voilà un petit peu cet aspect-là, stratégie consulaire qui nous occupe actuellement. Deuxième point, lors du dernier conseil, on était en discussion, la situation financière était assez tendue, vous l'avez peut-être lu, le Conseil fédéral a eu sa deuxième réunion sur le budget le 26 juin, la situation s'annonce moins tendue pour 2025 et 2026, et les mesures qui ont été prises en début d'année seront vraisemblablement suffisantes, donc le Conseil fédéral a donné le mandat à l'administration fédérale des finances de rédiger le message sur le budget qui sera soumis au Parlement, et donc on s'achemine vers un soutien financier relativement stable pour l'organisation des Suisses de l'étranger, donc on aura une coupure qui est linéaire sur à peu près tous les crédits de la Confédération de 1,4%, mais on reste largement au-delà des 3 millions de francs de soutien, un gros tiers pour le mandat de base de l'organisation, et plus ou moins les deux tiers pour la revue suisse et le service des jeunes. Et puis parallèlement à ça, et c'est aussi important parce qu'on est dans un monde qui bouge, on essaye aussi de vous soutenir sur différents projets. Certains ont déjà été approuvés, d'autres sont encore en discussion, mais l'idée c'est aussi de vous apporter un soutien spécifique pour les projets sur lesquels vous travaillez. Un soutien en personnel, et puis là la division de Laurent Périard est très active, que ce soit dans l'élection directe ou bien dans Factor Suisse, enfin dans différents sujets. Par contre, on essaye aussi d'apporter un soutien financier pour que vous ayez suffisamment de moyens pour mener ces projets à terme. Par contre, le groupe présidé par Serge Gaillard est toujours actif parce que la situation est assez difficile à l'horizon 2027. Donc là, on n'a pas encore d'informations et dès qu'on aura des informations plus précises, je vous en informerai. Troisième point, Swiss in Touch. On en parle souvent, la difficulté d'atteindre les Suisses de l'étranger. Cette application avait été annoncée par le conseiller fédéral Cassis à Lugano au 98e congrès. On avait également fait une présentation l'an dernier. D'ailleurs, cette année aussi, on a un collaborateur ou une collaboratrice qui sont là pour vous aider ou pour installer, pour vous montrer comment l'application fonctionne. C'est une application, Swiss in Touch, qui permet aujourd'hui de toucher 17 000 personnes. Donc on a doublé les chiffres par rapport à l'an dernier. On est encore loin des 813 400 Suisses et Suisses de l'étranger, mais le taux de croissance est important. Nos ambassades à l'étranger s'activent pour essayer de toucher une population peut-être un peu plus jeune, une population qui n'est pas toujours enregistrée auprès de nos consulats. Et c'est une application qui permet d'envoyer des informations depuis Berne, DFAE, mais également depuis l'Organisation des Suisses de l'étranger ou depuis Suisse Info, mais également de transmettre à nos compatriotes des informations du consulat ou de l'ambassade. Donc typiquement, un Suisse de l'étranger qui serait en Hongrie aurait des informations de son ambassade, mais également du centre consulaire régional à Vienne, de la direction consulaire, de l'Organisation des Suisses de l'étranger et de Suisse Info. Donc là, n'hésitez pas aussi dans vos pays à demander à l'ambassade de publier certaines informations. Ça touche un public différent qu'on a moins l'habitude de toucher par les canaux traditionnels. C'est quelque chose d'immédiat. Ce n'est pas un réseau social. La protection des données est aussi beaucoup plus légère que, je dirais, lorsqu'on utilise les canaux officiels de communication. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de promouvoir.
Et enfin, et c'est le dernier, un petit point qui nous réjouit ici, c'est que Swiss in Touch a été primé l'an dernier lors de la manifestation Best of Swiss App. L'application a été primée deux fois, l'une dans la catégorie Customer Experience et l'autre dans la catégorie des meilleures applications web. Donc une partie technique qui a réjoui notre division informatique et une autre qui nous a réjoui particulièrement parce que l'application a été primée aussi pour l'expérience, je dirais, faite par les gens qui l'utilisent. Et enfin, dernier point, certainement le plus important pour nous, c'est d'être à votre écoute. Cette année, on a essayé d'être présent à la quasi-totalité des congrès nationaux. N'hésitez pas à nous le communiquer le plus en avance possible. J'ai pas pu être présent à tous les congrès personnellement, mais des membres de la direction de notre unité étaient toujours présents en personne. C'est quelque chose d'important. Ça nous permet d'avoir un retour direct sur l'expérience des membres, je dirais, sur le terrain, de voir quels sont les problèmes concrets. On encourage aussi, et on avait eu en réponse à certaines questions reçues, je crois que c'était de Constantin Kokinos, qui me disait c'est important que les ambassades s'engagent. Donc on essaye aussi de demander à nos ambassadeurs d'être présents sur le terrain, pas uniquement de faire une fête du 1er août, mais aussi d'aller à vos événements, d'être présents le plus possible, justement pour entendre quels sont vos besoins, pour avoir votre ressenti, puis aussi pour avoir votre lecture, parce que les pays sont grands, et puis plus on a d'œil et d'oreilles dans un pays, plus on a de perspectives, de facettes, et ça nous permet souvent aussi de mieux comprendre le pays dans lequel on travaille. Pour ma part aussi, ce congrès a un moment particulier, parce que ce sera le dernier que j'aurai avec vous, puisque mon chemin m'amènera dans une autre direction à partir du 1er janvier, mais je voulais d'ores et déjà, je dirais, dans le cadre de ce congrès, vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté dans l'exercice de mes fonctions. Et je suis maintenant là pour répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, pour votre présentation et pour ce que vous avez fait en relativement peu de temps, et vous allez encore faire jusqu'au 31 décembre, pour les Suisses de l'étranger, dans votre fonction de directeur de la direction consulaire. C'est très bien de voir que la direction consulaire conduit à de plus hautes fonctions dans le cadre du département, mais évidemment, nous ressentons ce départ un peu anticipé avec une certaine tristesse, car vraiment, le rapport avec vous a été excellent dès le premier jour. Et si nous avons pu progresser dans certains dossiers, et notamment dans certains dossiers que nous allons discuter encore aujourd'hui, par exemple l'élection directe de membres de ce conseil, c'est aussi grâce au soutien très, très, très appuyé que nous avons pu avoir de votre part. Donc, merci beaucoup, et je dirais d'ouvrir la parole pour les questions, je vous en prie. Vous dites nom et pays jeweils. Roland Isler, Melbourne. Sehr geehrter Herr Grichting, die Sparmaßnahmen des Bundes betreffen die Swiss Revue hart. Sie wird von 6 Nummern auf 5 Nummern pro Jahr reduziert. Angesichts dessen, dass die Swiss Revue das einzige und wichtigste Medium ist, die Nachrichten des EDA an die Schweizer Bürger im Ausland weiterzuleiten, ist es recht unverständlich, dass gerade dieses Medium so hart von den Sparmaßnahmen betroffen ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Swiss Revue eine Leserumfrage startet oder gestartet hat. Und soviel ich weiß, ist das EDA angefragt worden, diese Umfrage an sämtliche Auslandschweizer weiterzuleiten, ist aber Diese Anfrage wurde aber negativ beantwortet. Ich verstehe das auch nicht, wieso das so ist. Es ist doch im Interesse des EDA, dass gute Informationen von dieser Umfrage gesammelt werden kann und deshalb so viel Auslandschweizer wie möglich angeschrieben werden könnten. Danke für die Antwort.
Danke, ich möchte es vorwegnehmen, Herr Botschafter, dass die Entscheidung ist vom Vorstand der ASO getroffen worden. Natürlich, die finanzielle Situation hat uns zu gewissen Schlussfolgerungen gekommen. Aber es ist nicht das EDA, das entscheidet, wie viele Ausgaben wir publizieren pro Jahr. Das ist eine, unsere Entscheidung in Absprache mit der EDA, um die finanzielle Situation abzufedern. Aber wir werden darüber noch detailliert informiert, weil wir werden versuchen, ich werde erklären, warum so und was wir im Gegenteil noch bieten werden, unseren Mitgliedern. Aber was die Problematik der Umfrage, bitte, Herr Botschafter. Wegen die Umfrage, also die Umfrage wird finanziell vom EDA unterstützt. Das ist das eine. Das zweite, natürlich werden wir die Umfrage weiterleiten. Aber es gibt zwei Arten von Leser in die Schweizer Revue. Die Leute, die physisch die Revue erhalten und dann kriegen sie die Umfrage physisch in die Schweizer Revue. Und die Leute, die es elektronisch erhalten und dann erhalten sie die Umfrage elektronisch mit die Schweizer Revue. Also so wird es gemacht. Also wir haben nicht verweigert, diese Umfrage weiterzuleiten. Aber wir werden das wirklich mit die Schweizer Revue, das heißt die Druckerei setzt eine Karte, nehme ich an, oder ein QR-Code in die Revue, sodass die Leute sich beteiligen können an die Umfrage und parallel die Leute, die diese E-Mail kriegen, mit die Schweizer Revue kriegen auch die Umfrage. Aber es gibt nicht separate E-Mail oder beziehungsweise die Leute, die zu uns gekommen sind und uns gesagt haben, ich möchte die Revue physisch, diese Leute können wir kein E-Mail schicken, weil sie haben explizit gesagt, dass sie diese Revue auf Papierform wollen. Also die Umfrage wird dort in Papierform gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es beantwortet habe. Danke. Wir kommen, ich verspreche es Ihnen unter Punkt 7. Wir sprechen dann über Kongressformel, aber ich werde auch etwas über die Entscheidungen betreffend Revue noch sagen. Bitte. Grüß Gott, Herr Botschafter, und danke für die wichtige Information. Ich möchte ein Lob aussprechen für die Botschaft in Ungarn. Unsere Botschafter und der stellvertretende Botschafter, Herr Widmer, beide setzen sich voll ein für die Auslandsschweizer und die kommen sehr oft an unsere Sitzungen. Auch die Botschaft und Konsulat in Wien, weil wir haben kein Konsulat in Mitteleuropa und seit ungefähr 10 Jahren. Und jetzt kommen die sogenannte Mobile Botschaft oder Konsulat zu uns, mindestens einmal im Jahr, wenn nicht zweimal im Jahr. Das ist eine große Hilfe für uns, nicht nur in Ungarn, sondern auch in Kroatien, Slowenien und anderen Länder, die nicht mehr ein Konsulat haben. Ich möchte einen großen Dank aussprechen an diese beiden Botschaften und nämlich der Frau Jäger in Wien, der Herr Widmer in Budapest und unsere Botschafter, Herr Peros. Ich finde, was Sie machen, ausgezeichnet und ich bedauere sehr, dass Sie uns verlassen. Aber ich bin überzeugt, dass Ihre Nachfolger würde genauso einsetzen für uns. Herzlichen Dank. Vielen Dank, es freut mich zu. Vielen Dank, also ich werde diesem Lob weiterleiten an Botschafter Paro, Frau Konsulin Jäger und Herr Botschaftsrat Widmer. Also es freut mich immer zu hören, dass eben unser Team, also der Einsatz von unseren Leuten vor Ort geschätzt wird. Das ist für uns sehr wichtig. Bitte. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense que comme ça. Bonjour, c'est Constantin Kokinos de la Grèce. Monsieur l'ambassadeur, vous avez mis l'accent et on vous remercie pour cela.
sur la collaboration entre les représentations suisses sur place et les communautés suisses. On en voit déjà des résultats positifs. On travaille très bien avec l'ambassade et c'est très, très important pour nous et c'est très important pour les sentiments de cohérence qu'on a besoin d'en avoir. Toutefois, je pense que peut-être on peut aller d'un pas un peu plus loin. Par exemple, inclure les consuls à nos réunions des associations suisses en tant qu'observateurs ou en tant que membres, si vous voulez. Ça se fait dans la pratique, tout au moins en Grèce. Ça se fait dans la pratique, mais ce n'est pas institutionnalisé. Je tiens à cette institutionalisation de nos rapports, puisque les personnes vont et viennent. Nous, on part, les consuls ou les ambassadeurs partent. On a une excellente entente pour l'instant. On a organisé la fête nationale ensemble avec l'ambassade et ça a été un bon succès cette année aussi. Mais je demande cette institutionnalisation pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on se tient pour aller en avant. Ça, c'est important pour nous en tant que communauté suisse de l'étranger. Merci beaucoup et merci encore pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je vous en prie. Hans-Georg Bosch, Südafrika. As you all know, so wie Sie alle wissen, haben in den Jahren 2016, 2017 damals Botschafterin Helen Budliger-Adjeder, now Staatssekretärin Seko und ich die ganze Zusammenarbeit EDA also auf einen höheren Level gesetzt. Was wir jetzt in Südafrika machen, was sehr, sehr gut arbeitet, wir haben die Möglichkeit, 3 bis 4 Mal im Jahr Informationen an alle Schweizer, die beim Regional Consular Center in Pretoria registriert sind, Informationen zu senden. Die müssen wir an die Konsulat weiterleiten. Die werden dann ins Ausland an die verschiedenen, wir sind zuständig für 11 Länder, verschickt. Wir dürfen natürlich nicht die E-Mail-Adressen von den Leuten haben. Das geht nicht, das geht nur über das Konsulat. Aber die Zusammenarbeit arbeitet hervorragend. Und das nun seit, was sind das jetzt, 8 Jahren. Und wer immer mehr Informationen möchte darüber, Sie können mich gerne in den Pausen fragen. Parfait. Merci beaucoup pour ce retour. Oui, c'est, chaque pays est très très différent et je prends les deux remarques en parallèle. On a certains pays qui ont 35, enfin certains consuls qui ont des contacts avec 35 associations suisses. Ce ne serait pas possible d'être dans chaque comité. Donc c'est toujours quelque chose de situatif. Ensuite, on a des pays où on a une association suisse, mais pas de représentation. Donc ce ne serait pas forcément productif que le consul soit membre et soit membre, je dirais, avec un droit de consultation de l'organisation, alors qu'il peut se rendre, et on voit l'Afrique du Sud à 11 pays, couvre le centre consulaire régional couvre 11 pays, ce serait assez difficile. Pour moi, le plus important, ce n'est pas tellement le côté institutionnel ou statutaire, mais qu'il y ait un vrai engagement, un petit peu comme ce qui se passe en Grèce, ou ce que notre collègue a dit par rapport à la Hongrie, mais que les gens aient à cœur d'être là lorsqu'il y a besoin d'eux. Donc, et aussi d'être à l'écoute de vos besoins, de venir sur le terrain avec la station mobile lorsqu'il y a un besoin, d'être à votre écoute, de vous téléphoner. Ceci, on a aussi une possibilité maintenant de faire des réunions virtuelles. Helen Budliger en Thaïlande l'avait fait, en Afrique du Sud également, pour être au contact des Suisses de l'étranger de la manière appropriée, en tenant compte du contexte local. Parce que chaque représentation est très différente l'une de l'autre. C'est pour ça qu'on ne le fait pas de manière institutionnelle. Mais par contre, voilà, j'étais heureux que vous ayez indiqué que la relation s'est améliorée. Puis c'est important de nous le dire, pendant les pauses ou de le dire à la personne qui me succédera s'il y a un problème. Parce qu'on peut être actif, on peut faire passer des messages. J'appelle régulièrement des chefs de mission lorsque j'ai l'impression qu'une communauté quelque part ne reçoit pas assez de visites.
Je ne l'ai pas dit, mais notre conseiller fédéral a été la semaine dernière au Kirghizistan. Il a vu les citoyens suisses. Cette semaine, il est en Amérique latine. Il va voir les Suisses de l'étranger au Pérou. Il va également voir les Suisses de l'étranger au Costa Rica. Donc ça commence par là. Il montre l'exemple. Et puis nos chefs de mission, eux aussi, voient, ah tiens, si le chef de département, si le conseiller fédéral trouve que c'est important, peut-être qu'il faudrait que je le fasse aussi. Et puis ça donne... Ça a un impact beaucoup plus important qu'un, je dirais, une directive institutionnelle de notre part, qui serait aussi difficile à appliquer. Et puis, évidemment, si vous avez il y a différentes manières de communiquer aux Suisses de l'étranger. Un des éléments, c'est Swiss in Touch. On a les pages régionales dans les revues, mais on a aussi dans les représentations des newsletters. Et puis, si vous avez des articles intéressants, il ne faut pas hésiter à demander au consul, tiens, j'ai cette information que j'aimerais faire passer à mes Suisses de l'étranger. Est-ce qu'on pourrait l'intégrer dans la newsletter, comme c'est fait en Afrique du Sud? Merci. Nous avons Franz Muheim, Royaume-Uni. Ja, Franz Muheim, Großbritannien. Herr Botschafter Grichting, zwei Sachen. Das erste, eine Rückmeldung. Die mobilen Passportmaschinen, die kommen wirklich sehr gut an bei der Basis. Also wir haben sie jetzt gerade das zweite Mal in Edinburgh gemacht. Und ich weiß, die sind nicht gratis, aber überall, und es gibt ja viele Länder, wo einfach die Distanzen zu groß sind, und diese Maschinen funktionieren wirklich bestens. Also das ist sehr gut. Macht das bitte weiter so. Das Zweite, was ein bisschen schwieriger ist, oder viele zweite Generation Schweizer, also wenn sie dann heiraten, ist einfach so, da ist dann oft der Partner aus einem anderen Land, vielleicht auch aus einem Drittland. Und ich habe einen Fall in der Familie sogar, wo man die Heirat, also den Partner, registrieren will. Und da werden Erwartungen gestellt, die man wirklich diskutieren sollte. Ein Original Birth Certificate, Geburtsschein, reicht nicht. Es muss ein neuer sein. Und wenn dann der Partner oder die Partnerin auch nicht mehr im Geburtsland wohnt, ist das oft fast oder gar nicht möglich, und das führt dann zu wirklichen Problemen, dass die Leute einfach sagen, was soll das, wir wissen alle, dass die sonst schon viel Schwierigkeiten haben, und da sollte man versuchen, ein bisschen kulanter zu sein, aber ich weiß, das hängt vermutlich von den Kantonen ab, aber da sollte man mal anschauen. Ein Geburtsschein ist ein Geburtsschein, und das sollte reichen. Parfait. Alors, merci beaucoup pour ce retour. Alors, je transmettrai à l'Office fédéral de l'État civil. Ce sont eux qui sont, avec les cantons et les communes, compétents. Mon épouse est française, donc je vois ce que ça veut dire d'enregistrer un mariage. Alors j'ai trouvé que c'était plus simple en Suisse qu'en France, mais c'est vrai que c'est une procédure. Dans les pays européens, généralement, ils sont signataires des conventions de la Haye, donc c'est beaucoup plus simple. Par contre, on a également des Suisses de l'étranger en Amérique latine ou en Afrique, et pour eux, c'est parfois compliqué. Et puis si les gens sont nés dans un pays, se marient dans un autre et ont un enfant dans un troisième pays, là, ça peut devenir vraiment très très long et compliqué. On en est conscient. Et puis, il faut par contre se rendre compte qu'il y a énormément de gens qui sont impliqués dans ce processus. L'Office fédéral de la justice, donc, auquel est rattaché l'Office fédéral de l'État civil, mais également les cantons qui ont une autorité de surveillance en matière d'État civil, et ensuite l'officier d'État civil qui se trouve dans la commune ou dans le district en fonction des cas. Et puis ensuite, il y a certains pays qui, contrairement à la Grande-Bretagne, ont des États civils qui ne sont pas aussi bien tenus et puis qui ont un degré de corruption assez élevé. Et puis là, parfois, il y a également des procédures de vérification qui doivent avoir lieu. Mais il faut savoir que ce n'est pas une procédure du DFAE, mais on travaille activement. J'ai récemment eu une réunion avec le directeur de l'Office fédéral de l'État civil pour essayer de regarder comment est-ce qu'on pourrait faire pour digitaliser les procédures, pour faire en sorte que les cas qui posent aucun problème soient traités le plus rapidement possible, de manière la plus digitale possible. Mais c'est vrai qu'il y a encore un petit chemin à faire, et puis
Mais c'est bien d'avoir ce feedback, ça me permet aussi de dire aux autorités qui sont compétentes, tiens, le feedback des Suisses de l'étranger dans certains pays, il y a ces problèmes-là. Ce n'est pas seulement le DFAE qui le dit, mais c'est également les représentants des Suisses à l'étranger. Merci beaucoup. Nous avions encore Carmen Troxler et puis j'arrive sur votre question. Vielen Dank, Carmen Troxler aus Australien. Sie haben im Vortrag als einen Pfeiler den Bürgerservice genannt und auch die Automatisierung der Dienstleistungen. Und eben, Sie haben als Beispiel Perth, Canberra oder es wäre dann Sydney beim Konsulat genannt. Thema Pässe, biometrische Pässe. Da müssen ja auch Kinder, Babys, Kinder bis 12 Jahre nach Sydney reisen für den biometrischen Pass, obwohl noch keine Fingerabdrücke genommen werden. Oft betrifft das auch Familien, die für ein, zwei Jahre in Australien sind, beruflich unterwegs. Und dann bekommen sie ein Kind und dann muss die Familie oder die Mutter, der Vater mit dem Kind nach Sydney reisen, was enorme Kosten mit sich bringt und natürlich auch ein Riesenaufwand ist. Wenn man dann noch vielleicht ein anderes Kind hat, die Kinderpässe sind nur 5 Jahre gültig, läuft ja auch ab, dann reist man als Familie und gibt 2000 Dollar aus für Reisedokumente. Gerade weil es eben noch die Fingerabdrücke noch nicht braucht, wie kann man da eine andere Lösung vorsehen, dass einfach das eben online erledigt wird mit einem professionellen Foto, wenn man auch bedenkt, das Kind, das 6 Monate alt ist, 2 Jahre später, nur schon ein Jahr später, sieht es wieder ganz anders aus. Also das sind immer so Diskussionen, die wir immer wieder haben und eben enorme Kosten, enormer Aufwand, gerade bei weiten Distanzen. Gibt es da eine andere Möglichkeit? Thema Foto, ich sehe das, mein Sohn ist gerade 6, ich musste seinen Pass erneuern und die Foto, als 6 Monate alt war, sah komplett anders aus. Aber ja, das ist ein Thema, das ich gerne mitnehme und ich werde das mit meinem Team und mit der Bundesamt für Polizei um zu schauen, gibt es da Möglichkeiten, eben aufgrund von den Kosten und die Tatsache, dass keine biometrischen Daten gegeben müssen. Man muss aber sagen, bei Kindern, es ist für uns sehr wichtig, dass wir sicher sind, dass die Eltern, beide Eltern einverstanden sind, weil wir hatten in jüngster Zeit ab und zu Probleme von Entführungen von einem Elternteil. Also es gibt auch gewisse Gründe, warum wir, also wir wollen manchmal nicht das Kind sehen, aber eher die Eltern, um sicher zu sein, dass es da kein Problem gibt. Aber ich bin bei Ihnen, da gibt es sicherlich Potenzial und ich werde das mit der Bundesamt, also FEDPOL ist ja zuständig für diese Thematik. Okay. Guten Morgen, Herr Grichting, Markus Wiegert aus Italien. Ganz kurz nur, ich möchte mich recht herzlich bedanken für die Unterstützung, die die Botschaft in Italien und die konsularischen Anstalten in Italien den Auslandsschweizern anbieten. Die Konsule unterstützen fast alle unsere Veranstaltungen. Die Botschaft unterstützt die Vereine, die Schweizerische Handelskammer, die Schweizer Vereine. Die Veranstaltungen werden auch, die wir organisieren, werden auch verbreitet durch Mitteilungen seitens des Konsulats. Das ist eine wichtige Hilfe. Ich glaube, die Vereine können anfragen und die Konsulate sind dann sehr aktiv in eigener Organisation, aber auch in der Verbreitung, wie gesagt, der Veranstaltungen der einzelnen schweizerischen Vereine in Italien. Das ist für uns, glaube ich, ganz wichtig, denn wir erreichen so auch Schweizer Bürger, Schweizer Mitbürger, die wir normalerweise nicht erreichen würden. Also recht herzlichen Dank für diese Unterstützung. Danke. Geehrter Herr Botschafter Grichting, Ralf Steiger von Israel. Ja, wir haben ja einige Mal zu tun gehabt schon.
Die Situation in Israel ist ja, wie Sie schon gesagt haben, schwierig für Auslandsschweizer. Wir haben einige tausend Leute, die jetzt schon seit 6 Monaten in Hotels sind. Und was die Leute zu mir gesagt haben, ist etwas sehr Wichtiges. Ich kenne ja einige Botschafter schon seit den letzten vielen Jahren und die waren immer wunderbare, gute Leute im politischen Sinn, die die Schweiz vertreten. Vor 2 Wochen haben wir unseren Botschafter Urs Bucher leider frühzeitig, haben wir ihm ein Fest gegeben und ihn, ja, wir mussten Farewell sagen. Was ich gehört habe von Leuten, und ich denke, das ist ungeheuer wichtig, Herr Urs Bucher hat sich auf einer menschlichen Seite für die Auslandsschweiz eingesetzt, etwas, das ich noch nie gesehen habe von einem Botschafter. Er ging in die heiklen Gebiete, er hat mit Leuten gesprochen, hat ihnen, soweit er konnte, Hand geboten. Und es hat Leute gehabt, die haben wirklich fast geweint, als er gegangen ist. Sie haben gesagt, ich habe schon so viele Vertreter von der Schweiz gesehen, aber die haben wirklich gesagt, es ist das erste Mal, dass sie einen Mensch haben, der sie vertreten hat. Und ich möchte einfach herzlichen Dank sagen und ich hoffe, dass der neue Botschafter auch etwas in diesen Schritten weitergehen wird. Herzlichen Dank. Le deuxième bouton depuis le haut. Non, si, celui-là, il marche. Alors, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alexandra de Mello de Singapour. Je voulais rajouter un élément par rapport à ce que Franz Muheim avait dit sur la difficulté d'enregistrer les mariages, mais aussi sur le coût important pour les jeunes, des jeunes couples lorsqu'ils veulent enregistrer un mariage. Je connais un cas à Londres d'une Suissesse qui a épousé un homme qui est devenu anglais, mais d'origine indienne. Cet homme a vécu pendant 10 ans à Londres, il travaille à Londres dans une société anglaise, et je crois qu'il lui demandait de payer plus de 1000 francs parce qu'ils veulent prouver sa naissance. Et juste pour réitérer, est-ce qu'il faut vraiment prouver la naissance de quelqu'un dans le pays pour reconnaître un mariage? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, merci pour vos mots que je transmettrai à notre équipe en Italie et à notre ambassadeur, notre ancien ambassadeur en Israël que j'ai vu récemment. S'agissant des mariages, il faut, lorsqu'on enregistre un mariage entre un citoyen suisse et un citoyen étranger, les autorités communales, cantonales et fédérales, enregistrent pas uniquement le mariage. En fait, ils enregistrent tous les événements de la vie de la personne qui vont être enregistrés. Ça veut dire qu'ils vont enregistrer d'abord la naissance de ce citoyen anglais, et ensuite ils enregistrent le mariage, et c'est pour ça qu'ils demandent des actes de naissance. Et ça, c'est une discussion entre guillemets entre les autorités de l'état civil, qui ont des conséquences évidemment pour les personnes qui habitent en Suisse et qui ont parfois des parcours de migration, pour certaines personnes qui se marient en Suisse mais qui sont nées peut-être en Afghanistan ou dans d'autres pays où il est un peu plus difficile de se procurer des documents qu'en Suisse. Ça a des conséquences, ça a des coûts aussi. Et puis ça, c'est une discussion qui se fait à l'Office fédéral de la justice et avec les cantons et les communes. Mais pour nous, c'est important qu'ils soient conscients. Je dirais que ça a évidemment aussi des conséquences sur certains citoyens suisses qui doivent parfois consacrer des moyens importants pour se procurer les documents demandés. Merci.
jetzt ist gut. Ich muss mich bei Ihnen auch bedanken für die ausgezeichnete Arbeit, die Sie geleistet haben und vor allem auch unseren Botschaften. Herr Gilles Rodui ist Nummer 2, Herr Martin Eckenschwiler, die sind immer dabei, wenn wir etwas organisieren, sind fantastische Leute. Betreffend die Frage von der Dame vom Australien, früher hat man die Kinder im Pass von den Eltern registrieren können. Ist das heute noch gültig, sodass die nicht unbedingt einen eigenen Pass brauchen? Wenn die Kinder früher waren in dem Pass von den Eltern registrieren und dann konnten reisen und die Kinder waren im Pass von den Eltern. Danke. Alors merci beaucoup. Je transmettrai aussi à l'ambassadeur Rodui et à son adjoint vos remerciements. S'agissant de la question sur les passeports, alors je ne suis pas tout à fait un spécialiste. Il me semble que ça a été annulé, mais je vais me renseigner puis je vous dirai. Gibt es weitere Fragen oder Wortmeldungen? Ich sehe keine. Dann würde ich Herrn Botschafter Grichting vom Herzen danken für die Präsentation, für die Antworten, für die Diskussion mit unseren Delegierten, für die Arbeit und für die ich kann Ihnen sagen, die moralische Unterstützung, die er uns auch in die Zukunft sichern wird. Danke sehr. Merci beaucoup. Ein Applaudissement. Nous en venons au point 7, qui traite du nouveau format du Congrès. Mais puisque vous avez posé des questions avant concernant la revue suisse, je me permets de mettre au début de ce point un point d'information sur les décisions que le comité a prises. J'essaye de résumer la situation. Nous avons eu, il y a un certain nombre d'années, Jacques-Simon Aigli s'en rappellera, des discussions assez âpres entre notre organisation, il était président, et je l'accompagnais en tant que membre du groupe parlementaire suisse de l'étranger, avec le DFAE et la chef du DFAE à l'époque, qui était convaincu que la revue suisse était un gaspillage d'argent et que l'envoi de papier à travers le monde n'était plus justifié, et que tout cela pouvait se faire de façon digitale à bien moindre frais. Bien. Nous avons dû combattre. Il y a des années où nous avons dû réduire de 6 à 4 le nombre des éditions de la revue, parce qu'il y avait vraiment, c'était vraiment les coupes sombres aussi dans les fonds. On en est arrivé à la fin à une situation de compromis qui est l'actuelle, c'est-à-dire que la revue suisse est publié cette année encore, avec 6 éditions par année sur papier, les mêmes éditions étant évidemment téléchargeables sur Internet, donc avec signalation par un courriel. Et cela, plus ou moins, a divisé par 2 le nombre des exemplaires papier envoyés. Nous en envoyons 400 000 auparavant, et maintenant nous avons 200 000 exemplaires papier plus ou moins, et 200 000 abonnés, si vous voulez, électroniques. C'est un point d'équilibre, mais il est toujours possible pour ceux qui ont la revue papier et qui ne veulent plus avoir du papier à la maison, de signaler le fait qu'ils veulent passer du papier à l'électronique. Et c'est une voie de non-retour en principe. Quand on est passé au digital, nous n'offrons pas la possibilité, disons, nous acceptons évidemment, mais nous n'allons pas proposer de faire le pas inverse, alors que nous proposons constamment de faire le pas vers le digital. Le résultat a permis de garder le budget en équilibre avec les finances qui étaient tout au cours de ces années.
Tenez compte que sans parce que nous parlons des coupes dans les subventions, mais le seul fait qu'il n'y ait pas d'augmentation de la subvention représente une coupe, parce que évidemment les coûts du papier, de la poste, des rédacteurs, de l'imprimerie augmentent. Donc il y a une érosion et le transfert d'un certain nombre d'abonnés vers la revue digitale permet de compenser un peu, si vous voulez, cette érosion des moyens financiers à disposition. Mais il y a un mais. Nous avons constaté, pas nous-mêmes, c'est l'Université de Zurich qui a fait une analyse il y a pas longtemps, qui nous dit, oui, attention, les exemplaires papier sont lus moyennement par deux personnes. Il y a deux lecteurs par revue papier qui circulent. Ça se comprend, la revue arrive, elle est là, elle est sur la table de cuisine dans le salon, sur la tablette de la toilette éventuellement, mais elle est là, elle reste là jusqu'à ce que la prochaine édition arrive et de temps en temps quelqu'un lit quelque chose. Bon. L'exemplaire papier, électronique est lu par 0,1 lecteur par exemplaire. C'est-à-dire que nous avons 20 000 lecteurs pour 200 000 exemplaires digitales. Et ça, c'est assez dramatique pour la présence, je crois, du contenu, parce que, somme toute, papier ou électronique, ça pourrait nous être indifférent. Mais quel est le public que nous atteignons? C'est ça, l'essentiel. On produit des contenus, on essaye de bien les faire, la rédaction travaille bien, mais si le nombre de lecteurs diminue, rien... Le passage au digital ne nous aide pas vraiment. Bon. Nous sommes dans la situation actuelle où les coûts augmentent pour le papier. Alors, nous avons... partons un point en arrière. Nous avons le Conseil fédéral qui dit au DFAE, comme aux tous les autres départements, il faut couper 1,4%. Bon, donc, on nous coupe 1,4% de notre subvention. Une bonne chose, c'est que nous avons, avec le DFAE, dans notre convention, un budget qui est assigné à l'information, qui va à la revue, mais qui peut être utilisé pour des autres formes d'information en adaptant la convention que nous avons. Donc, on peut faire quelques manœuvres à l'intérieur du budget, mais le budget d'ensemble de Swiss Community se réduira l'année prochaine de 1,4%. En même temps, nous avons une inflation qui maintenant, aujourd'hui, se situe à 1,4%, si je suis bien informé. Je crois qu'on a réussi à baisser cette inflation en ce moment-ci, hein, à 1,4%. Mais bon, peu importe. Il est clair que la diminution plus de la subvention plus l'augmentation des coûts, ça fait déjà 3% au minimum. Et en plus, dans le secteur qui nous touche, l'augmentation est plus forte que pour les produits, la moyenne, le panier moyen sur lequel est calculée l'inflation. En particulier, je proviens de ce métier et j'en suis encore un peu actif, le papier a une augmentation plus que proportionnelle et malheureusement, au moment où les postes suisses ou d'autres pays font une augmentation, ce n'est pas 1,4%. Quand il y a une augmentation, paf, on y va, c'est 10%, c'est 5% au minimum. Voilà. Donc, nos coûts ont tendance à augmenter plus rapidement que la moyenne de l'inflation suisse. Donc, il nous faut prendre des mesures. Je dois remercier l'ambassadeur Richting parce que dans le cadre du DDFAE et de nos discussions, nous avons pu compter sur un véritable soutien. Nous n'avons pas eu de coupe cette année et pour l'année prochaine, nous avons une certaine disponibilité à négocier l'une ou l'autre chose. Donc la disponibilité à nous écouter est là.
Et surtout, je voudrais enlever l'impression qui est passée avant, c'est le DFAE qui nous ordonne de couper le nombre d'éditions. Non, ça c'est pas, ça c'est notre décision pour faire face à la situation que je suis en train de vous décrire. Alors, quel est le choix que le comité a fait en discutant avec la rédaction, en prenant acte même du fait que la rédaction aurait pu désirer d'autres solutions. On a discuté très franchement et ouvertement. Mais à la fin, il est de la compétence du comité d'arriver à prendre des décisions qui nous permettent de continuer. Alors la décision, c'est vrai, c'est celle-ci, de réduire à partir de l'année prochaine le nombre d'éditions à 5 par année, mais avec deux mesures que nous essayons d'introduire pour compenser un peu la douleur de la perte de la sixième édition. La première est que nous voulons généraliser les pages régionales. La plus-value des pages régionales est un élément important pour l'Organisation des Suisses de l'étranger et nos membres dans tous les pays, clubs et organisations fêtières. Actuellement, nous avons six éditions par année, mais seulement quatre avec les pages régionales. Nous en aurons à l'avenir 5, mais dans toutes les 5, il y aura toujours les pages régionales. Donc, c'est une première mesure prise pour essayer de compenser un peu et peut-être d'améliorer le service impossible. Et la deuxième chose, nous allons un peu plus activement suggérer que ceux qui sont passés à la revue digitale dans les dernières années et qui peut-être se rendent compte qu'ils ne la lisent plus, mais vous le savez tous comment ça fonctionne. Vous ouvrez vos emails, vous avez le soir 50 emails, et vous n'avez de cesse que de delete, 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 parce que vous n'avez pas le temps de lire. Alors la revue papier, elle est là, elle reste dans votre toilette ou sur votre table de salon ou sur la cheminée, elle va rester 2 mois. Et vous aurez un jour ou l'autre une heure pour lire quelque chose. Tandis qu'une fois que c'est delete, c'est delete. Même si vous ne faites pas delete, il se trouve en bas à la 5780e place de vos mails non lus. Eh bien, quand elle est à la 5000e place des mails non lus, vous n'en faites plus rien. Voilà. Donc, on va essayer un peu plus activement de promouvoir le fait que qui désire revenir à la revue papier peut revenir. Jusqu'à présent, c'était une crainte, Janine. Surtout pas de retour. Mais maintenant, on va accepter un certain nombre de retours, même les suggérer à ceux qui les désirent. Et je pense que si nous gagnons, pour un exemplaire papier en plus que nous gagnons 20 fois plus de lecteurs que d'éditions électroniques. Voilà. Ça, c'est la décision du comité. Avec la rédaction, nous allons évidemment essayer de faire le meilleur service, et avec les rédactions régionales aussi, de vous offrir le meilleur service pour que la Revue Suisse reste un pilier de notre système d'information. Elle a d'ailleurs comme mission d'informer aussi en vue des votations populaires, vous le savez, et donc le rythme de 4 votations par année étant donné par la Confédération, nous avons en tout cas un niveau plancher auquel nous savons que nous ne pouvons pas descendre en dessous. Il y aura quelques problèmes. Le rythme des éditions ne sera plus exactement régulier, évidemment, parce qu'il faut suivre les élections aux votations populaires, et puis il faut mettre la 5e édition quelque part là au milieu. Et le calendrier n'est pas exactement réparti tous les 3 mois pour les votations. Et donc, il y aura parfois un délai un peu plus long entre une édition et l'autre, mais nous allons travailler dans cette direction. Je vous en prie. Jeanette Seifert, Widmer aus New York, USA. Also ich würde vorschlagen, dass man die gedruckte Version natürlich weiter behält, aber warum nicht einen Betrag verlangen von denen, die diese gedruckt haben wollen? Es sollte natürlich nicht ein extremer Betrag sein, aber vielleicht 50 Franken im Jahr oder 60 Franken ist vielleicht einem Auslandschweizer wert, diese Zeitung weiterhin gedruckt zu erhalten. Und es würde ja dann helfen, das Geld würde dann in das Budget fließen.
Ich denke, das wäre sicher eine Möglichkeit, die wir vielleicht anstreben sollten, zumindest diskutieren sollten. Danke, es wurde zumindest diskutiert, bis jetzt nicht umgesetzt. Wir haben zwei Probleme. Das erste, da kann andernfalls Herr Botschafter richtig noch was sagen. In unserer Vereinbarung mit dem Bund geht man davon aus, dass die Information unentgeltlich ist. Also man müsste allenfalls die Vereinbarung, und ich weiß nicht, ob ich werde dann das Wort Herrn Grichting erteilen, um diese Frage beantwortet zu haben. Also die erste Sache ist irgendwie eine Pflicht zugreifen. Wir versuchen das zu kompensieren mit Schenkungen. Also wir schlagen jeweils vor, bitte unterstützt die Revue, macht eine Schenkung, und es kommen auch Schenkungen. Weil natürlich kommen Leute geben 10, 20 Franken, es gibt Leute, die 100 oder ein paar hunderte Franken geben auch. Also das ist schon ein Betrag, mit dem wir etwas anfangen können. Leider, das kompensiert im Moment den Rückgang der Werbung. Werbung und Sponsoring sind rückläufig, das wissen wir. Wir werden uns nochmals bemühen. Wir haben gestern noch im Vorstand diskutiert, und der Vorschlag von Carlos Omaruga ist, dass wir uns mehr an Stiftungen widmen, die ein solches Produkt unterstützen könnten, oder die ASO insgesamt, aber die Revue oder die Kommunikation der ASO insbesondere. Wir werden das tun. Es gibt in der Schweiz 18.000 Stiftungen. Also vielleicht die eine oder andere könnte Interesse haben, ein solches Projekt zu unterstützen. Wir werden das vermehrt machen, dass die Abos zu bezahlen werden, ist es schwierig. Stellt sich sofort auch eine große Frage. Es kostet natürlich viel mehr, eine Revue nach Australien zu schicken, als nach Deutschland. Was wollen wir? Dann differenzierte Tarife, und Sie können sich die Problematik so denken. Also, das bleibt als letzte Waffe, aber ich gebe Ihnen das Wort, weil Sie das Thema angezündet haben, und dann Herrn Grichting für die Beantwortung. Okay, vielen Dank, Filippo. Die Swiss Revue ist ein Leistungsauftrag des EDA, Informationen an die Auslandschweizer weiterzuleiten. Die ASO hat diesen Leistungsauftrag angenommen und verfiehlt sie durch die Swiss Revue. Ich verstehe nicht, wieso die Swiss Revue deshalb nicht separat behandelt wird von den Kürzungen, Budgetkürzungen, die die ASO nun hinzunehmen hat. Durch diesen Leistungsauftrag würde ich denken, dass die Mehrkosten für Versand und Druck vom EDA vollumfänglich übernommen werden sollten, damit dieser Leistungsauftrag und der Flow of Informationen an die Auslandschweizer nicht dezimiert wird. Ich finde es falsch, dass die Swiss Revue so hart getroffen wird durch das. Danke. Danke, aber ich befürchte, Sie kennen die Dynamik der öffentlichen Finanzen nicht ganz. Die Kantone, die Städte, die Gemeinden haben alle Aufträge, die aus der Verfassung oder aus einem Gesetz kommen. Und wenn der Bund sagt, wir kürzen dem Kanton diese Subvention, kürzen wir um 10%, 20%, und es wird nicht diskutiert. Der Kanton muss trotzdem seinen Auftrag irgendwie erfüllen, weil das Gesetz wird nicht angepasst. Aber wenn der Bund die Subventionen kürzt, die werden gekürzt. Auch innerhalb der Verwaltung notabene. Der Bund hat die Pflicht, Konsulate überall zu haben. Und wenn sparen muss, dann muss er einmal ein Konsulat schließen, haben wir erlebt, oder? Also die Dynamik der Bundesfinanzen ist nicht, dass das Geld unendlich ist. Es ist beschränkt, und wenn es Kürzungen kommen, das trifft sowohl die Verwaltung, auch die Publikationen der Verwaltung, also verschiedene Publikationen des Bundes müssen sparen, weil der Sparauftrag kommt, das ist einmal so. Man muss auch verstehen, also ich war 20 Jahre im Parlament, ich konnte nie, ich war ja einige Jahre in der Finanzkommission, ich konnte nie vorschlagen, erhöhen wir dort irgendetwas, weil das ist wertvoll. Weil sofort alle anderen Kollegen mich angeschaut haben und gesagt, ja, gute Idee, und wo kürzen wir den entsprechenden Betrag?
Das ist die Frage. Also wenn Sie etwas erhöhen wollen, müssen Sie anderswo kürzen. Wir haben, die Schweiz hat eine hervorragende Leistung in der Covid-Zeiten gemacht, macht jetzt eine hervorragende Leistung in der Ukraine-Krise und so weiter. Also da haben, aber das kostet sehr viel und jetzt ist, wir haben eine Ausgabenbremse, wir haben eine Schuldenbremse in der Verfassung gewollt und dann kommt einmal die Kompensation und jetzt ist die Musik im Bundeshaus so, dass man einfach sparen muss auf allen Leistungen. Natürlich ist es immer einfacher auf Subventionen für Dritten zu kürzen, als im eigenen Fleisch zu schneiden. Aber deswegen habe ich gesagt, ich bin Herrn Botschafter Grichting dankbar, weil das ist eben nicht der Fall gewesen bei uns. Wir wurden nicht überdurchschnittlich bestraft. Wurden es wahrscheinlich, er wird es erklären, vielleicht auch ein bisschen unterdurchschnittlich getroffen und wir müssen unsere Maßnahmen treffen. Aber ich würde auch sagen, ich glaube nicht, dass die Revue so hart getroffen wird. Ich habe erklärt, was wir entgegen zur Kompensation machen wollen und ich hoffe, ich glaube und bin überzeugt, die Revue bleibt ein wichtiges Instrument und wird nach wie vor ihren Auftrag erfüllen können. Der Auftrag sagt, wir müssen informieren. Aber auch die anderen Aufträge, die wir haben, sind in unseren Leistungsvereinbarungen, Jugenddienst und so weiter, sind alle. Überall, wenn es gekürzt wird, wird es gekürzt. Jacques Simoegli. Je suis là. Bon, je suis désolé. C'est embêtant parce que ça donnerait raison à Madame Calmiret qui trouvait que j'étais un homme du passé. Parce que je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir évoqué cette séance dont je me souviens extrêmement bien, où Madame Calmiret, avec une certaine, comment dirais-je, un certain sentiment qu'elle était du présent et que moi j'étais du passé, estimait qu'il était bien temps maintenant d'abandonner le papier pour aller vers l'informatique. Je me souviens très bien que je lui avais dit, mais Madame la conseillère fédérale, est-ce que vous, chez vous, vous ne lisez plus aucun journal en papier? Est-ce que vous lisez tout sur Internet ou autre? Je crois qu'elle a été un peu embarrassée dans sa réponse. Comme quoi, ce que l'on considère comme étant un progrès peut être une régression. Et ça, c'est une chose que le libéral que je suis aime bien dire quelquefois à ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une voie, celle du progrès, et puis qu'il n'y a qu'un défaut, c'est d'être, si je puis dire, de regarder dans le rétroviseur. Mais parfois, le rétroviseur, il est aussi le phare vers l'avenir. Parce que, en effet, je trouve extrêmement intéressant, je regrette beaucoup d'avoir pas connu cette enquête, cette recherche de l'Université de Zurich, parce que c'est tout de même extrêmement flagrant, extrêmement illustratif. Et moi, j'ai l'impression que l'on pourrait, au fond, étendre cette enquête aux lecteurs en général, aux lecteurs de Suisse aussi, parce que les générations de nos enfants ou autres, ils sont toujours sur des portables, mais est-ce qu'ils s'informent vraiment ou est-ce qu'ils cliquent et puis toquent ou bien est-ce qu'ils ne regardent pas ou bien, comme vous l'avez dit, est-ce qu'ils passent à autre chose? Je crois que ça fait partie, si je puis dire, de la culture intellectuelle et, je dirais, de l'engagement civique qu'il y ait encore une presse papier et qu'il subsiste une presse papier aussi pour les Suisses de Suisse. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les Suisses de l'étranger, je suis vraiment très, très content
de la position du comité, de l'action du comité. Et j'aimerais beaucoup remercier et féliciter le comité pour les mesures qu'il a prises pour pouvoir garder à disposition des Suisses de l'étranger, en effet, cette revue papier qui me paraît absolument indispensable pour que soit cultivé le lien civique, le lien politique, le lien culturel entre eux et la Suisse. Alors j'aimerais beaucoup vous remercier. Et puis je trouve que l'enquête de l'Université de Zurich, ce serait une bonne idée quand même de l'envoyer gracieusement et respectueusement à Madame Calmiret, ancienne conseillère fédérale. Merci, merci Jacques Simon. Pour bien préciser, parce que je ne me suis peut-être pas bien expliqué, l'intention, quand, quand la distribution digitale a été introduite, l'intention du département était effectivement que progressivement, ça allait prendre quelques années, mais que progressivement tout le monde aurait passé au digital et que c'était une voie de non-retour. Donc, après, c'est vrai qu'on n'a pas exécuté comme ça, on a freiné, et il est possible, aujourd'hui déjà, il y en a des abonnés digitaux qui demandent de revenir au papier. Donc c'est possible. Ce que je disais, ou je voulais vous dire, c'est nous allons essayer activement de promouvoir. Faites-le tranquillement vous-même aussi, parmi vos connaissances, dans vos clubs, dans vos pays, dans vos organisations nationales. Faites la promotion du retour papier. Mais parce que on ne reviendra plus jamais à 400 000 exemplaires, mais je répète ce que je disais. Si on gagne 1000 exemplaires, on gagne 2000 nouveaux lecteurs effectifs. Ou si on gagne 10 000, mettons qu'on va gagner 10 000, on aura gagné 20 000 lecteurs effectifs. Et ça, c'est très important, parce que ça vaut tout, autant que les 200 000 lecteurs digitaux qui ont un taux de lecture de 0,1. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire. On peut se permettre de revenir vers le papier. C'est pas interdit, c'est même souhaité. Donc ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Et nous pensons que la mesure que nous prenons là aujourd'hui nous permet d'affronter les prochaines années sur cette façon. Alors je donnerai encore la parole à l'ambassadeur Richting, mais je vois Madame. Ah ouais, ça y est. Oui, Françoise Millet-Leroux, donc France. Alors moi, je voulais simplement, parce que nous avons vécu cette période où on appelait, enfin on avait même donné un surnom à Madame Calmiret, qui n'était pas très gentille. Donc moi, je voulais simplement dire que d'abord, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment obtenir la revue suisse par papier et qui ont du mal à l'obtenir. Ils me disent où on n'arrive pas parce que justement je crois que le système de retour vers le papier n'est pas encore si facile. Par contre, je voulais appuyer aussi sur l'importance de cette revue papier. Moi, elle me sert beaucoup comme instrument de travail pour retrouver les adresses des consuls, les adresses, enfin, pour être vraiment au courant des dernières nouvelles qui étaient dedans. Et je pense qu'elle est très importante et qu'il faut au contraire... je trouve que c'est bien de faire cinq parutions avec les pages régionales, c'est très important. Et je vous en remercie. Et puis, moi, je n'ai jamais voulu, je l'avoue, utiliser la version Internet. Je suis restée une irréductible papier. Mais c'est ma génération aussi. Hein. Voilà. Donc je suis très contente qu'elle reprenne de l'importance. Voilà, merci. Merci Françoise. Donc je crois qu'on va aller vers la conclusion parce que nous avons d'autres thèmes. Mais vous avez compris que l'intention du comité en réduisant une... Ah, c'è ancora una mano alzata. Sorry, je vous en prie. Okay. Ich spreche wahrscheinlich aus dem Herzen vieler, die nicht gerade in Europa wohnen. Die Swiss Revue in gedruckter Form ist eine sehr gute Sache. Aber wenn wir schauen, vor allem im südlichen Amerika, in Afrika, auch in gewissen fernöstlichen Ländern, ist das große Problem nicht die Swiss Revue in Papierform, sondern ob sie überhaupt ankommt.
Das ist ein Riesenproblem. Bei uns kommen die Stimmunterlagen normalerweise 4, 5 bis 6 Monate nach der Abstimmung an. Das wissen wir, dort haben wir relativ wenig Einfluss. Das ist bekanntlich. Danke, aber noch eine Frage bitte. In Brasilien sind wir 14.000 Schweizer, aber es kommen immer weniger Schweizer und die meisten sind schon zweite Generation und Mischehen. Und ich finde, mit der Hilfe vom Konsulat, wenn wir könnten einem 16-Jährigen ein einmaliges Geschenk machen, einmal die Revue schicken und aufmerksam machen, weil viele Mal machen nichts mehr die Eltern genug aufmerksam für die Jungen. Und wenn die AS und das Konsulat diese jungen Brasilianer mit dem Schweizer Pass, also Doppelbürger, einmal auf das aufmerksam machen würden und diesen Kontakt suchen würden, wäre es sehr gut. Ich bin sehr für die elektronische Schweizer Revue, weil da kann man von einer Seite, ich habe in meinem Handy alle Schweizer Revue, das müsste ich die ganze Zeitung haben. Und da kann man immer in einem Touch kann man weitere Informationen haben. Die wird dann viel reicher im Internet. Ne? Also danke. Danke, danke sehr. Nein, ist klar, dass die digitale Version ihre Vorteile hat. Das wollen wir nicht verneinen. Aber eben, ich glaube, Sie haben verstanden, dass wir versuchen, eine Balance zu behalten. Und wenn wir eine Ausgabe weniger produzieren, werden wir dafür vermehrt die Hinweise liefern, wie man allenfalls von der digitalen zur Papierform zurückkommen kann und und eben die Regionalseiten regelmäßig alle 5 Ausgaben veröffentlichen. Möchte Herr Botschafter uns noch etwas sagen, betreffend eben diese Problematik, Auftragskürzungen und so weiter? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour vos retours. C'est très, très utile pour nous d'entendre votre ressenti. Pour nous, ce qui est important de dire, c'est que quelque part, on donne un mandat à l'OSE qui est accompagné d'un budget. Il y a actuellement une lutte très importante entre tous les différents mandats qui sont donnés par la Confédération, que ce soit au canton, aux communes, mais également dans le domaine de la coopération au développement qui fait face à des contraintes, l'armée également. Donc il y a toute une somme de besoins, il y a une discussion politique qui a lieu dans les commissions des finances, au Parlement. Et puis, on l'a vu il y a quelques années, il y a eu le programme d'économie 18, où on devait passer de 6 revues à 4. Et puis le Parlement a corrigé. Donc quelque part, le Conseil fédéral fait des propositions budgétaires et le Parlement a toujours la possibilité de corriger ensuite. Par contre, au niveau du DFAE, l'important pour nous, basé sur l'article 40 de la Constitution, les différents articles dans la loi sur les Suisses de l'étranger, c'est que le message passe. Comment est-ce qu'il passe ? Il y a 50 ans, on n'avait que la revue Suisse. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de médias. Je vous ai parlé de Swiss in Touch, il y a Swiss Info, il y a les newsletters des consulats, il y a les réseaux sociaux. Les vôtres, via Facteur Suisse, les nôtres, ceux aussi de nos organisations partenaires. Et puis, il y a différentes manières de faire passer le message. Je ne suis pas certain que tous les groupes cibles, tous les jeunes Suisses de l'étranger, ont la même manière d'accéder à l'information. Donc, c'est un petit peu ça. Comment est-ce que, dans le cadre de ce budget qu'on a, comment est-ce qu'on maximise l'impact ? Est-ce qu'il faut faire 4 revues papier, 5 revues papier, ou bien est-ce qu'il faut faire moitié papier, moitié sur plutôt des Instagram ou autre chose ? Je ne pourrais pas le dire, c'est important que vous fassiez des études et qu'il y ait cette réflexion. Par contre, une augmentation du soutien financier de la Confédération, je ne vous cacherai pas que j'ai peur que les temps ne soient pas opportuns pour la demander. Merci, c'est sûr que nous avons l'impression. Je vous assure que je m'occupe maintenant du gouvernement d'une ville, Lugano, et que nous avons exactement les mêmes problèmes, parce que d'en haut, on coupe, et d'en bas, évidemment, les coûts augmentent, et la population s'attend toujours encore le même service, si ce n'est plus de service. Oui. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette discussion et merci d'avoir de bien vouloir comprendre ce qui a conduit le comité à prendre cette décision et puis de nous donner des retours. Si vous aurez des feedbacks dans vos clubs, dans vos communautés, dans vos pays, dans vos entourages,
Donnez-nous des retours et ça sera toujours utile pour la réflexion que nous allons faire sur comment développer au mieux notre politique d'information qui est qui est le but final. Le but final, au fond, ce n'est ni le papier ni l'Internet. Le but final, c'est communiquer, informer, atteindre nos objectifs. Et on en arrive à la conclusion que le papier a encore un avenir devant lui, comme nous l'avons dit maintenant. J'en viens au point 7 de l'ordre du jour, qui est le nouveau format pour le Congrès à partir de l'année prochaine. Vous vous souviendrez que l'année dernière, à Saint-Gall, nous avons eu une certaine discussion sur le mode du Congrès. Et puis, le comité s'était permis de prendre une décision que certains n'ont pas appréciée, de faire une tentative cette année-ci. C'était la tentative d'avancer le Congrès, justement, au début juillet, comme nous sommes maintenant, à la mi-juillet, pour pouvoir le combiner avec l'Assemblée d'éducation suisse de tous les enseignants et responsables des écoles suisses qui se retrouvent chaque année aussi au mois de juillet, parce que nous avions l'impression qu'ils étaient intéressés à suivre nos travaux et que nous aurions pu avoir, en approchant notre congrès à leur assemblée, nous aurions pu avoir une participation majeure de représentants des écoles suisses à notre congrès demain. Donc pas nécessairement aujourd'hui au conseil, mais demain au congrès, à la partie commune du congrès. Malheureusement, cela ne s'est pas vérifié. Donc la première conclusion que nous avons tirée, bon, avec tout le respect pour l'éducation suisse, mais nous avons fait un pas dans leur direction, mais le pas n'a pas eu d'effet. Et donc nous reviendrons, ça, pour vous tranquilliser, nous reviendrons à la formule deuxième moitié du mois d'août, à partir de l'année prochaine, en tout état de cause. Ça, c'est la première observation. Nous nous excusons. Nous savons que quelqu'un a dû prendre des billets d'avion plus chers parce qu'en juillet, c'est plus cher qu'en août, etc. Bon, nous nous excusons pour les inconvénients. Nous avons fait un essai et nous corrigeons cet essai, comme je vous l'ai dit. La deuxième chose, par contre, que nous avons discuté l'année dernière déjà sur la base d'un rapport de la direction, était la diminution constante des participants au congrès. Le secrétariat, en 2023, justement, nous a fourni une étude montrant que le taux de participation diminue régulièrement depuis 2009. Et le phénomène s'est encore accentué en 2023. Et cette année-ci, tout en étant le centième congrès, ce qui nous faisait espérer d'avoir un peu plus de participation, il y a encore une fois une baisse de participation. Pour finir, le colloque est fréquenté par les délégués du CSE et leurs accompagnantes, le colloque, la partie colloque du congrès, et la participation de non-délégués, d'invités, gratuits ou non, politiciens ou autres, est somme toute réduite. Pour ce qui concerne le congrès de cette année, le jeudi, aujourd'hui, nous avons 86 délégués et accompagnants. Et 75 délégués votants. Au fait, c'est encore plus bas que le chiffre théorique. Demain, nous aurons environ 130 participants payants, plus 30 exposants, une vingtaine de membres du team et de VIP, et, fort heureusement, 60 jeunes qui, l'année dernière, n'avaient pu nous rejoindre à cause d'une grippe intestinale dans leur camp. Nous aurons, cette année, apparemment, la grippe ne sévit pas, et donc... Mais voilà, nous espérons avoir quand même ces 60 jeunes demain.
Ce soir, nous serons 120 participants. Non, ce soir, demain soir, pardon, nous serons 120 participants au dîner qui n'est plus un dîner de gala. Nous avons pensé qu'il était bien de l'appeler dîner traditionnel suisse. Et effectivement, la cravate au mois de juillet, au mois d'août, ça devient de plus en plus difficile à porter. J'admire Monsieur l'ambassadeur. Et naturellement, Constantin Kokinos. Et oui, oui. Et d'autres. Mais voilà. Donc, dîner de gala, non, c'est plus tout à fait à la mode, mais ça sera le dîner traditionnel suisse. Mais nous aurons 120 participants. Et samedi pour l'excursion sur le bateau 130. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas ce que c'était dans le passé. Donc la demande a été posée. Les participants, on a fait aussi un sondage avec un certain taux de retour, pas énorme, mais quand même un certain retour, si je me rappelle, qui nous dit que l'intérêt pour le congrès, pour venir au congrès, consiste plus dans la partie récréative, la soirée de clôture, la partie de découverte de la ville, de la région haute, l'excursion, etc. Et ces parties offrent d'ailleurs des possibilités de networking, de réseautage, qui sont très bienvenues. En plus, s'ajoute un problème, il y a la réduction du soutien financier. Le soutien financier de Swiss Laws, respectivement la loterie romande, a été réduit de 60 000 francs à 10 000 francs par an depuis 2022. Donc une partie importante du financement du Congrès nous manque. Et je vous l'ai dit avant concernant la revue, mais c'est la même chose concernant le Congrès, le sponsoring, les exposants, etc., n'ont pas tendance à augmenter, mais plutôt à diminuer. En plus, c'est les mêmes personnes qui reviennent, bonne partie les mêmes qui reviennent chaque année. Il n'y a pas tellement de renouvellement des participants, et ceci diminue aussi l'intérêt des sponsors. Le monde associatif suisse, et à l'étranger aussi, rencontre d'ailleurs en général des difficultés croissantes pour mobiliser les gens régulièrement. Mais vous le savez, dans vos clubs, il est plus difficile aujourd'hui d'organiser une fête avec 300 personnes que ça l'était il y a 10 ans ou 20 ans, c'est clair. La tendance, elle est la même partout. C'est un peu l'individualisation de la société. Et par ailleurs, l'augmentation de manifestations, d'associations, de choses, il se passe de tout. Et puis maintenant, on a même du football tous les soirs. Donc, bon. Voilà. Nous avons un risque donc, de déficit structurel d'environ 50 000 francs par année. Nous ne pouvons pas l'assumer au moment actuel. Et puis, par ailleurs, nous avons fait une constatation. Quel était le dernier congrès où, effectivement, on avait l'impression qu'il y avait un véritable enthousiasme? C'était 2022 Lugano. 2021 Lugano, voilà. Et pourquoi? Parce que... Non, c'était 22. C'était 22. Quand même, ça vieillit, mais lentement. En 2022, c'était après 2 ans d'absence de congrès, 2 ans de pandémie. Et alors, on avait l'impression, vous vous rappelez, la plupart d'entre vous étaient à Lugano, il y avait l'enthousiasme de se revoir après 2 ans où on ne s'était pas revu. Et alors, la réflexion que nous avons suivie dans le comité est la suivante. Peut-être moins de congrès, mais plus intense, plus vécu et financièrement plus supportable. D'ailleurs, monsieur l'ambassadeur sait bien, parce que nous nous sommes entretenus à ce sujet, il est difficile d'obtenir, comme dans le temps on obtenait, la présence d'un conseiller fédéral, pour ne pas dire du président de la Confédération. Il devient de plus en plus difficile, car le nombre d'associations, de congrès, de manifestations se multiplie,
Et par ailleurs, j'estime que ce pays élit des gouvernants pour gouverner et pas pour voyager d'un congrès à l'autre à saluer les participants. Si on fait un congrès tous les quatre ans, avec conseil fédéral, on a une chance probablement d'avoir le conseil fédéral. Si on le fait chaque année, je peux comprendre qu'on finisse deux fois sur trois sans conseil fédéral. C'est malheureux, mais c'est assez compréhensible au vu de la situation. Bien. Alors, que faire? L'idée est que nous devons revoir la formule, l'adapter aux attentes des participants, des sponsors, de la politique, et spécifier les besoins, cibler l'offre que nous allons donner d'une année à l'autre. Les buts du congrès restent quand même ceux de donner une occasion d'échange et de réseautage entre tous nos membres, tous nos pays, et avec même les Suisses de l'intérieur qui font partie de notre mouvance, d'assurer une visibilité médiatique de la partie institutionnelle et politique de la séance du congrès, et de découvrir une région, ça c'est ce qui a toujours, aussi motivé le soutien que nous recevons de Swiss Tourisme pour le congrès. Découvrir des régions dans lesquelles probablement nous reviendrons une fois. Nous avons donc décidé hier au comité de mettre en avant le travail du Conseil suisse de l'étranger. Donc, une fois par année, nous avons notre rythme, nous avions notre rythme traditionnel de deux conseils des Suisses de l'étranger, un en mars et un en août. Nous avons augmenté cela grâce au fait que nous avons évidemment la possibilité de faire des conseils online. Et donc, nous avons introduit la possibilité de faire un conseil online au mois de novembre. Et j'ai l'impression que cela soit apprécié. C'est une occasion de faire participer les délégués, non pas deux, mais trois fois par année, à notre discussion et de leur donner la possibilité d'intervenir. Mais le conseil de novembre n'est que digital. Le conseil de mars est hybride, on fait la présence, mais ceux qui ne peuvent pas venir peuvent participer à distance. Et l'idée est que alors le conseil du mois d'août soit un peu renforcé, soit fait en présentiel. Et au fait, là où il y avait conseil et congrès, comme aujourd'hui et demain, il y aura dans les années ordinaires le conseil. Un conseil étendu. Troisième ou quatrième semaine d'août, le conseil étendu ayant commençant avec un apéro dînatoire, animation musicale, repas des sections internationales, des partis politiques ou d'autres mouvances, ça doit rester possible. Et le jour du congrès, du conseil, et le jour suivant, le jour des familles, avec une demi-journée ou une journée entière de visite de la ville ou de la région, selon la contribution financière des sponsors, et je répète, le rôle de Swiss Tourisme est fondamental. Par contre, tous les quatre ans, un véritable congrès de trois jours, largement ouvert, comme cela se fait actuellement. Ceci de le faire au milieu de la législature. Notre législature dure quatre ans. Avoir les années ordinaires, donc années 1 et 3 de la législature, la formule que je viens de vous dire, seulement conseil. L'année 2 de la législature, donc au milieu de la législature, la formule traditionnelle conseil plus congrès. Et l'année 4, donc la fin de la législature, le conseil du mois d'août, étendu à participation, on invitera régulièrement, comme c'est le moment du changement de législature, les sortants et les fraîchement élus. Les nouveaux élus et les sortants seront invités à ce congrès de fin de législature, ce conseil, ce
continue à la mort de la langue, ce conseil de fin de législature l'année 4, pour un passage de consigne, si vous voulez, avec les nouveaux membres. Voilà. Donc, le congrès traditionnel, sur lequel nous essayons d'avoir la participation du Conseil fédéral, la participation des médias renforcés, un programme renforcé, on le tiendrait tous les quatre ans à moitié de la législature. Ce qui veut dire, très concrètement, que l'année prochaine, 2025, serait la première fois d'un conseil du mois d'août renforcé avec participation des sortants, donc tous ceux qui sont actuellement, mais qui ne seront plus dans le conseil suivant, et de tous les nouveaux. Donc 2025, conseil seulement, mais avec les sortants et les nouveaux. 2026, congrès, pas de congrès, conseil ordinaire. 2027, on est à la mi-législature, le véritable congrès, donc le 101e congrès aurait lieu en 2027. Et puis, 2028, le conseil ordinaire. 2029, le conseil renforcé avec les sortants et les rentrants. Bon, tout ça maintenant dit comme ça, mais le document est dans le cloud, hein, donc vous l'avez reçu et vous avez ce rapport qui a été préparé par le secrétariat. Voilà, ce sont les décisions du comité. Elles peuvent être justes ou moins justes. Vous avez la chance, dans une année, de ne pas réélire ce comité et donc de montrer votre mécontentement, comme dans tout système démocratique. Mais pour l'instant, nous devons prendre nos responsabilités face à cette situation. Nous ne pouvons pas nous permettre un déficit. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir diminuer chaque année le nombre de participants au Congrès. Il faut essayer de changer la formule, concentrer les efforts une fois tous les quatre ans sur un gros événement, mais faire fonctionner le Conseil régulièrement au mois d'août avec une réunion renforcée et renforcée à la fin de la législature, au début de la suivante, avec, comme je l'ai dit, la participation de tous les délégués sortants et rentrants. Voilà. J'ouvre la discussion. Y a-t-il des observations sur cela? Ce n'est pas un thème qui est sujet au vote du Congrès. C'est un thème d'organisation par le comité, mais nous allons prendre le temps nécessaire pour en discuter avec vous, car le comité n'est pas insensible à vos réactions. John. Also meine Hochachtung für diese Entscheidung. Wenn wir stillstehen, gehen wir rückwärts und Sie gehen vorwärts. Ich finde das eine ausgezeichnete Idee, vor allem in dieser Situation, die wir jetzt befinden. Und meine Unterstützung haben Sie. Danke. Zur Rehabilitation. Ich sehe, du bist wieder kämpferisch an der Front. Das freut mich sehr. Wer möchte das Wort? Bitte. Ja, Ivo Dürr, Wien. Ich wollte nur sagen, sowohl die Änderung bei der Revue, also von 6 auf 5 Ausgaben, dafür mit einer Stärkung der Regionalausgaben, als auch jetzt diese Veränderung bei den Kongress. Rhythmus. Das sind doch sehr, sehr bedeutende Veränderungen, die eigentlich den gesamten Rat, aber natürlich auch überhaupt alle Auslandsschweizer betreffen. Und ob es doch sinnvoll wäre, diese beiden Vorschläge bzw. Änderungen, die eben sehr weit gehen, ob man da Rückendeckung vom Rat mit einer Abstimmung holen sollte. Ich weiß schon, dass es eine Vorstandssache ist einerseits, aber es geht sehr, sehr weit und betrifft eigentlich alle von uns. Wie gesagt, ich persönlich finde die Vorschläge gut. Ich glaube, es entspricht halt der Notwendigkeit. Und ich glaube auch, dass der Vorstand das gut überdacht hat. Aber
ich finde, ihr solltet euch die Rückendeckung des Rates holen. Ralf. Ja, Ralf Steiger, Israel. Die Schweiz ist sehr, sehr teuer. Und ich habe in den Foren, wo wir Diskussionen hatten, von vielen Leuten gehört, die konnten nicht kommen, weil die Flugpreise sind ungeheuer teuer und die Hotelpreise sind ungeheuerlich teuer im Juli. So, ich würde sagen, wenn wir auf den August zurückgehen, das würde wahrscheinlich die Preise schon halbieren. Ist unwahrscheinlich. Ich habe jetzt gesehen, im August gehen die Preise fast halb so hoch, wie sie jetzt sind. Ich habe von Amerika gehört, haben Leute 2000 Dollar bezahlt pro Person. Und auch bei uns, wir bezahlen normalerweise 350, jetzt sind es 700 bis 800. Und die Hotelpreise im Juli sind wirklich sehr, sehr hoch. Dass man sich halt jetzt wieder überlegt, dass man halt wieder in den August geht. Danke, Ralf. Ich habe es gesagt, die Entscheidung ist getroffen. Wir kehren in August zurück. Wir entschuldigen uns, wir haben einen Versuch gewagt, weil wir haben gedacht, wir können die Schweizer Schule an uns mehr anbinden, weil sie ihre Versammlung im Juli haben. Dann haben wir versucht, dass sie die Möglichkeit haben, uns zu besuchen. Das ist nicht erfolgt. Wir entschuldigen uns mit denjenigen, die dieses Jahr mehr ausgeben mussten als üblich. Es ist versprochene Sache, ab nächstes Jahr kehren wir 2.11. August zurück. Das ist vielleicht, aber letztes Jahr in St. Gallen waren sie nicht mehr als im Vorjahr in Lugano. Eben, der Effekt Lugano war, dass wir 2 Jahre lang keinen Kongress hatten. Und dann plötzlich waren die Leute ein bisschen mehr motiviert, wir wollen uns wieder mal treffen. Das ist so. Aber wir sehen natürlich die Schönheit Luganos, das wissen wir alle. Aber ich hatte wirklich den Eindruck, die Leute wollten kommen, weil sie 2 Jahre lang sich nicht mehr getroffen haben. Gut, also deswegen die Idee, also sicherlich 2. Hälfte August, von jetzt weg, egal welche Form, der normale Rat oder der verstärkte Rat oder alle 4 Jahre der Kongress, wird immer 2. Hälfte August sein. Das ist jetzt, das haben wir verstanden. Und wie gesagt, wir entschuldigen uns, wenn wir das so ein bisschen leichtfertig beschlossen hatten für dieses Jahr. Aber jetzt, okay, schauen wir vorne. Elisabeth Schneider-Schneider. Ja, besten Dank. Mich betrübt etwas. Die Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer, die brauchen eigentlich immer mehr Lobbying in der Schweiz. Die brauchen das. Weil wenn die Ausgaben für die Auslandsschweizerinnen und der Auslandsschweizer, wenn die jetzt vor eine Volksabstimmung müssten, ich glaube, viele Leute würden die Unterstützung nicht geben. Ich höre das im Zusammenhang mit der Krankenversicherung, das Thema, das wir heute Nachmittag noch besprechen mit Josef Schnieder. Da höre ich dauernd, die sind ja selbst schuld, dass die im Ausland sind. Die sollen zurückkommen und dann haben sie ihre Rechte, welche ihnen zustehen. Und die Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer brauchen ein effizientes Lobbying. Und das effiziente Lobbying ist auch vorhanden bei einer gewissen Sichtbarkeit. Und der Kongress, auch wenn er nicht ganz optimal abgelaufen ist, jeweils, der Kongress gibt der Community eine Sichtbarkeit. Mit dem Kongress, und wir haben ja auch einige Medien hier oben, mit dem Kongress haben sie auch die Möglichkeit, über die Anliegen zu schreiben. Und sie kommen hierhin und sie versammeln sich. Wenn wir nur noch alle 4 Jahre einen solchen Kongress durchführen, dann fehlt uns ein ganz wichtiges Tool, um unsere Anliegen der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Ich weiß, der Entscheid ist gefällt, dass man das jetzt nun so tut, aber ich finde es schade, dass ein wichtiges Tool für das so wichtige Lobbying für die Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer damit wegfällt. Besten Dank. Elisabeth hat recht, die Zustimmungsquote für die Auslandsschweizer war tief, als ich jung war.
Dann hatten wir ein Jahr, ein phänomenales Jahr, 1991, 700 Jahre des Bundes, eine Genossenschaft. Und da sind viele, viele Auslandsschweizer gekommen. Da haben sich wieder viele Beziehungen geknüpft. Und man hat auch die Bedeutung der Auslandsschweizer verstanden. Dann ist es langsam rückläufig gegangen. Als ich im Parlament kam, 1999, 2000, eine meiner ersten Vorstöße betraf genau die Auslandsschweizer. Und ich konnte nicht durch im Ständerat mit einem Postulat, kam ich nicht durch. Die Kollegen haben gesagt, genau das. Nein, die Auslandsschweizer, die sind gegangen, das ist nicht unser Problem. Gut. Wir haben einige Jahre, wir haben, ich würde sagen, 10 Jahre gebraucht, um das wieder aufzubauen. Und die Elemente des Aufbaus waren die parlamentarische Gruppe Auslandsschweizer, gewisse Vorstöße, die wir einreichen könnten, insbesondere die parlamentarische Initiative für ein Auslandsschweizer Gesetz und dann die Schaffung des Auslandsschweizer Gesetzes. Und wir haben in diesen Jahren wieder an Glaubwürdigkeit gewonnen. Wir waren einige Jahre lang in einem Hoch. Und jetzt sind wir wieder ein bisschen an einem Tief. Warum? Natürlich, die Welt ist unsicherer geworden, es fehlt überall Geld, also warum für die Auslandsschweiz und so weiter und so fort. Da müssen wir wirklich uns anstreben. Und einige Politiker haben uns wirklich nicht geholfen. Wenn Sie zum Beispiel zur Diskussion der AV-Renten oder so den Finger gegen die Auslandsschweizer gezeigt haben, sie sind im Ausland, sie bezahlen keine Steuer, aber sie bekommen Renten, sie bekommen Versicherungen, sie bekommen dies und das. Da haben wirklich einige Politiker einen schlechten Tour uns gespielt, der übrigens nicht wahr ist. Das ist eine Lüge, weil die Auslandsschweizer haben jahrelang Steuer bezahlt, bis sie gegangen sind, beziehungsweise wenn sie AHV-Renten erhalten, haben sie Beiträge bezahlt, sonst würden sie keine Rente bezahlen. Aber noch mehr, schade zu sagen, aber wir müssen es so sehen, insbesondere die älteren Auslandsschweizer entlasten den Bund gewaltig von den Gesundheitskosten. Das muss man einmal den Mut haben zu sagen. Meine Liebe, die gleichen Politiker, die eine Schweiz mit maximal 10 Millionen Einwohnern wollen, wenn sie sagen, ja, die Auslandsschweizer sollen nur zurückkommen, dann haben wir die 10 Millionen sofort überschritten, bevor alle Auslandsschweizer zurückgekommen sind. Also das geht einfach nicht. Also wir müssen den Mut haben, dagegen zu etwas zu sagen und natürlich unser Lobbying zu machen. Jetzt aber, wir verfolgen das seit Jahren, das wichtigste Lobbying machen wir mit der parlamentarischen Gruppe, machen wir mit diesem Rat jetzt, dass wir wieder uns im März im Bundeshaus mit der parlamentarischen Gruppe treffen können. Diese Sitzung im März ist wichtig. Nicht alle Delegierten sind anwesend, aber diejenigen, die einen Tag früher kommen nach Bern in der März-Session, werden dann die Gelegenheit haben, mit den Parlamentariern im Bundeshaus sich zu treffen. Das hat dieses Jahr gut funktioniert, soll noch entwickelt werden. Das ist, und dann das Lobbying natürlich, das wir machen können mit dem EDA, mit dem Bundesrat, das ist unsere Arbeit. Wir bekommen, wie viele andere in der Schweiz, eine Subvention, um unsere Subventionierenden zu lobbyieren. Das passiert in vielen Bereichen. Nun, ist der Kongress der Höhepunkt für dieses Lobbying? Ich muss sagen, nein. Wenn wir schauen, jährlich, Jahr für Jahr, was hat interessiert? Wo haben wir ein bisschen Echo in den Medien? Was am Abend oder am Tag nach dem Rat, nach der Ratssitzung, hier haben wir debattiert, hier haben wir Resolutionen angenommen, hier haben wir politische Themen mit Politikern debattiert.
Die Berichterstattung nach dem zweiten Tag, also nach dem zweiten Tag des Kongresses, ist fast null, minimal. Es sei denn, es kommt ein Bundesrat. Und da wieder, da brauchen wir den Bundesrat. Wir können es nicht jedes Jahr verlangen. Also wir würden uns erlauben, dem Bundesrat zu sagen, wir brauchen euch nur alle 4 Jahre, aber dann bitte wirklich. Okay. Also ich glaube nicht, dass der Kongresstag, der uns 3 von 4 Jahren fehlen würde, etwas von unserem Lobbying, von unserer Lobbying-Wirkung wegnimmt. Die Erfahrung ist eine Chance. Aber ich wurde gestern angerufen, ich werde vielleicht heute noch ein paar Anfragen kommen oder einige von euch, und dann aber morgen Abend nach dem Kongress, dann ist die Luft draußen. Wir werden kein entscheidendes Thema für die Medien morgen präsentieren können. Immerhin, die Empfehlung ist richtig. Lobbying ist eine unserer 4 zentralen Aufgaben und bleibt entsprechend wichtig. Weitere Wortmeldungen? Franz? Ja, also das Erste, wir haben realisiert, den Kongress in dem Format, den wir jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren schon hatten, das können wir nicht mehr machen. Das kostet zu viel und es kommen zu wenige. Nur, jetzt haben wir einen Beschluss gemacht, aber ich möchte euch alle anrufen. Auf Englisch sagt man, don't ever let a crisis going to waste. Also eine Krise soll man nicht ungenützt lassen. Wir sollten uns überlegen, wie wir weitergehen. Und das Format der August-Sitzung, da hat man Möglichkeiten. In Gesprächen ist ja schon mal aufgekommen, sollen wir es im Ausland machen? Ja, nur eine Idee. Und das sind alle von uns gefordert. Wir sollten unsere Ideen einbringen. Wie können wir wenn wir rumschauen, wir müssen ja die jungen Generationen ansprechen, oder? Wie können wir die einbringen? Was funktioniert und was funktioniert nicht? Und das von heute an, oder? Das ist unser Job. Ich verstehe, Elisabeth, natürlich, wir müssen Lobbying machen, aber das gehört auch zum Lobbying, dass wir ein zukunftsgerichtetes August-Meeting wiederherbringen. Und wir könnten, es muss ja nicht jedes Jahr dasselbe sein, und das haben wir ja schon eingebracht vom Vorstand, dass wir jetzt einen Kongress alle 4 Jahre machen wollen, aber da gibt es Möglichkeiten. Ja, nehmt ein weißes Papier und überlegt euch, was wir machen wollen in Zukunft. Vielen Dank. Gerard Richely, Gerard Richely de Madrid, d'Espagne. Juste en relation de cette discussion, je crois qu'on doit mettre plus de temps et plus d'efforts pour remplir nos objectifs. Si c'est plus important de venir en mars et faire pression en mars, on devrait passer peut-être plus de temps en mars au lieu d'août. Et de faire août 4 chaque année avec un programme un peu plus de loisirs, mais peut-être en mars, prolonger peut-être la session pour pouvoir remplir nos objectifs et parler avec les parlementaires et essayer de les convaincre, non, de nos convictions. Merci.
Ja, grüezi miteinander, Daniel Häusser. Ich vertrete die Schweizer in China. Ich möchte kurz auf Frau Schneider-Schneider eingehen und ich finde ihren Punkt äußerst berechtigt und möchte eigentlich den Vorstand fragen, wenn Sie den Kongress mehr digital gestalten, welche Strategie Sie dann haben, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Weil Sie haben zum Beispiel erwähnt, dass wir nicht fragen können, dass ein Bundesrat da ist jedes Jahr. Das würde ich zum Beispiel auch in Frage stellen, weil ich meine, es gibt 800.000 Auslandschweizer. Ich gehe davon aus, dass die Bundesräte durchaus in den Kantonen mit ein paar 10.000 Leuten dann und wann auftauchen pro Jahr. Also ich wundere mich etwas, dass wir als Auslandschweizer Rat entsprechend sehr vorsichtig agieren und ich denke, die Möglichkeiten, die wir haben, bei weitem nicht ausspielen. Also, wir haben nicht von digitalem Kongress gesprochen. Wir haben gesagt, wir konzentrieren den Kongress mit einem reichhaltigen Programm alle 4 Jahre, Mitte in der Legislaturperiode. Wir haben jährlich eine volle Ratssitzung physisch in der zweiten Hälfte August. Und im Jahr der Legislaturwechsel verstärken wir diese Ratssitzung mit den alten und neu gewählten Delegierten. Also das ist das Programm, den Rhythmus, den wir haben wollen. Da ist nichts digital. Die digitale Sitzung ist die Ratssitzung von November, die früher nicht existierte, die ist jetzt gekommen, zusätzlich, weil wir das eingeführt haben. Also, wir machen jetzt 3 Sitzungen statt 2 Sitzungen pro Jahr des Rates. Und was wir jetzt wieder machen können, sind physische Sitzungen im März. Also die Sitzung im März ist hybrid, aber am Tag, also in Bern und mit Möglichkeit aus der Ferne teilzunehmen. Dass wir jetzt wieder dieses Jahr, also 24, dieses Jahr erreicht haben, ist, dass wir am Vortag des Rates eine Sitzung mit den Parlamentariern im Saal 300 im Bundeshaus, das war ein wichtiger Moment. Da sind viele Parlamentarier gekommen, also mehr als was wir in der Regel in einem Kongress haben. Und wir waren Mitte im Bundeshaus und wir konnten wirklich unsere Themen verfolgen. Die Kommunikation können wir, müssen wir, wollen wir ständig ausbauen. Das war ein Ziel dieser Legislaturperiode. Etwas haben wir erreicht, noch nicht alles. Aber die Kommunikation, die muss natürlich helfen. Und wenn wir ein wichtiges Thema haben, es hängt nicht davon ab, ob das ein Kongress oder eine Ratssitzung war. Die Medien werden, wenn wir eine brisante Stellungnahme abgeben oder ein Thema heftig diskutieren, das interessiert den Medien mehr, als ob eine Sitzung des Rates ist oder ein Kongress. Wer kennt schon die Differenz zwischen Kongress und Ratssitzung? Also, ich glaube, wir müssen mit den Inhalten und mit der Kommunikation lobbyieren. Die Benennung der Events ist nicht unbedingt das Wichtigste. Aber natürlich haben wir alle gerne Kongresse. Wir feiern morgen den 100. Kongress in 108 Jahren. Also es gab sowieso schon 8 Jahre ohne Kongress. Und jetzt, wir werden künftig schauen, dass diese Kongresse wirklich ein markantes Element werden und nicht einfach eine ein bisschen erweiterte Ratssitzung. Carmen hat noch das Wort verlangt. Vielen Dank. Ich bin absolut einverstanden mit Frau Schneider-Schneider, dass wir die Sichtbarkeit erhöhen müssen. Es muss aber auch eine positive Sichtbarkeit sein. Und
wenn wir, was wir jetzt diskutieren, ist der Wegfall des morgigen Tages in 3 Jahren und dann im 4-Jahres-Rhythmus wäre wieder so ein erweiterter, längerer, wäre eine solche Zusammenkunft möglich. Wenn ich Sie alle frage, wie viele von Ihnen haben den morgigen Tag an andere Auslandsschweizer empfohlen, weil das Programm so anziehend war und weil Sie denken, Sie verpassen was, wenn Sie nicht hierher kommen. Wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich eben nicht so viele und die rückläufigen Zahlen zeigen, dass der morgige Tag ein limitierter Mehrwert bietet und nicht unbedingt zu dieser Sichtbarkeit, die wir uns wünschen, beiträgt. Von dem her war wirklich die Idee, nicht etwas weiterzuführen, das eigentlich gar nicht so einen großen Mehrwert bringt, gerade weil es eben im Prinzip finanziell defizitär ist. Das andere mit der Sichtbarkeit ist ja auch das Bild, das man von uns Auslandsschweizern hat. Das muss man ja auch beeinflussen in einer positiven Weise. Und das sehe ich auch nicht, wie wir das am Kongress in der jetzigen Form machen können. Ich denke immer wieder, wenn wir von Auslandsschweizern sprechen, es kommen immer die gleichen indifferenzierten Aussagen mit diesem Bild vom Auslandsschweizer, der im Ausland ist und eigentlich hier nur Ansprüche stellt und Forderungen. Aber das ist nicht die Realität. Wir haben so viele Auslandsschweizer, die auch für kurze Zeit ins Ausland gehen und Firmen im Ausland aufbauen, die den Schweizer Export unterstützen, also die Schweizer Wirtschaft. Es gibt unzählige Beispiele. Wir haben Leute wie Zurbuchen, der ehemalige NASA-Direktor, war des Forschungsprogramms und jetzt zurück ist an der ETH. Da spricht niemand von ihm als Auslandsschweizer, aber er war 20 Jahre im Ausland und bringt jetzt so viel Mehrwert zurück in die Schweiz. Also wir müssen uns überlegen, wie können wir diese Sichtbarkeit erhöhen, aber auch eben das Bild, das man von uns Auslandsschweizern hat, wie kann man das positiv beeinflussen? Und da lade ich Sie alle dazu ein, wenn Sie Ideen haben oder Vorschläge, wie man das machen kann, dann gelangen Sie an das Sekretariat oder an uns im Vorstand, auch im persönlichen Gespräch, und dann können wir das aufnehmen und auch für die Zukunft diskutieren. Aber eben grundsätzlich der Kongress, wir nennen ihn Auslandsschweizer Kongress, was wegfallen würde, wäre der morgige Tag. Wir würden uns nach wie vor vielleicht sogar hier in Luzern treffen, diskutieren, austauschen, Abendessen mit den politischen Parteien, Interviews mit den Medien und dann der morgige Tag, in welchem Format dann auch immer, eben vielleicht mehr sozialer ausgerichtet, mehr unterhaltungsmäßig, aber auch mit Rednern, die ein hohes Profil haben. Das würde nach unserem Vorschlag nur alle 4 Jahre stattfinden, aber ich bin aus Vorstandssicht sehr offen für Vorschläge, wie wir diesen Weg weitergehen können. Aber es geht nicht so weiter mit dem morgigen Tag. Ich glaube, das sehen wir alle ein. Vielen Dank. Danke, Carmen. Noch kurz Elisabeth Schneider-Schneider, dann Carlo Schumaruga und dann Pause. Bitte. Ja, besten Dank. Ich möchte diesen Sonntagsgottesdienst nicht länger stören. Aber ich denke, wenn man sich, was mich stört, ist, dass der Vorstand das einfach beschließt. Das ist für mich schon nicht so demokratisch, wenn man sagt, dass man kann eigentlich gar nichts mehr ändern. Da müssten wir ja jetzt eigentlich gar nicht diskutieren. Das stört mich aus demokratischer Sicht. Dann stört mich, dass man einfach abschafft, statt sich Gedanken darüber zu machen, wie man diese Kongresse effizienter machen könnte. Ich hätte 100.000 Ideen, die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, mit den internationalen Handelskammern beispielsweise. Dieser Kongress war langweilig, auch aus meiner Sicht. Die Parteien hatten Stände, aber sonst war eigentlich nicht wirklich etwas los. Wir hatten gute Panels und so, aber sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie man diese Kongresse spannend machen könnte, dass die Leute auch wirklich wieder kommen, das hat man sich offensichtlich nicht gemacht. Man beschließt jetzt einfach, diesen Kongress nur alle 4 Jahre zu machen. Und ich bin missverstanden worden. Wir haben ein effizientes Lobbying in unserer Bubble.
Die parlamentarische Gruppe funktioniert super. Wir haben eine gute Unterstützung des EDA. Das funktioniert alles gut. Aber geschätzte Damen und Herren, es geht darum, dass wir die Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer auch bei der Bevölkerung sichtbarer machen. Und da könnte man diesen Kongress als Tool nutzen, das zu tun. Wir können nicht weitermachen wie bis jetzt. Wir haben keine finanziellen Mittel mehr. Die sind, ich muss nicht ausführen, was schon gesagt wurde, wir haben diese nicht mehr. Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Aber es gibt zig Möglichkeiten, diesen Kongress sexy und cool und effizient zu machen, dass wir ihn auch jedes Jahr durchführen könnten. Und diese Diskussion hätte ich mir im Auslandsschweizerrat hier gewünscht. Besten Dank. Ganz kurz, ich schlage vor, dass Frau Schneider-Schneider in unseren Vorstand kommt. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. J'aimerais rebondir sur ce que nous dit Elisabeth. Je crois que la volonté du comité qu'il y ait une discussion, la preuve, c'est que nous nous débattons aujourd'hui. Mais il est vrai que dans les statuts, c'est prévu que c'est de la compétence du comité. On ne peut pas aller à l'encontre des statuts. Alors il y a un groupe de travail qui est en train de revoir les statuts. On peut aussi, effectivement, dans ce cadre-là, redéfinir les compétences. Mais moi, je me réjouis de la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Ça montre effectivement les enjeux pour les uns et pour les autres. Mais je crois qu'il y a trois thèmes qui ressortent de manière très claire. Il y a la question de l'image des Suisses de l'étranger. Il y a la question des communications politiques du Conseil des Suisses de l'étranger. Et troisièmement, c'est l'influence sur les décideurs qui est en fait le travail de lobby auprès du Parlement. Et ces trois éléments, à mon avis, il faut les distinguer. En ce qui concerne l'image, je pense que ces événements que nous avons régulièrement pour le Conseil des Suisses de l'étranger, s'ils sont bien communiqués, s'ils sont aussi l'occasion d'interviews du président ou d'autres membres qui viennent de l'extérieur dans la presse locale ou dans les grands médias, que ce soit Ta Média ou que ce soit la N77, que ce soit d'autres médias même romans, je pense que ça contribue à la bonne image qui est l'image des Suisses de l'étranger. Ce n'est pas un événement en été qui va en fait inverser la tendance. C'est la construction systématique d'une stratégie de communication et d'une participation active dans le cadre de ces événements que nous avons du Conseil des Suisses de l'étranger et aussi à l'extérieur de ces conseils, d'une stratégie où on peut être présent, notamment avec des interviews, mais aussi comme on peut être présent sur les réseaux sociaux et autres éléments, un concept qui d'ailleurs est discuté par le comité. La deuxième chose, c'est la communication des décisions politiques. Je pense que le Congrès n'amène pas cela. Nous avons des discussions politiques sur différentes choses, des caisses maladies, on peut les relations avec l'Europe, la question de simplement du vote électronique, etc. Ce sont des éléments que nous pouvons communiquer après nos séances du Conseil des Suisses de l'étranger. Ce n'est pas, comme ça a été dit par le Président, ce n'est pas au Congrès que cela a lieu. Alors c'est vrai que le Congrès a cet aspect social qui permet de se rencontrer parmi, mais ça reste très limité par rapport à l'ensemble de la communauté des Suisses de l'étranger. Puis moi, j'aimerais revenir sur la proposition qui a été faite par le délégué de l'Espagne, qui est en fait de renforcer la réunion de mars en lien avec le Parlement. Je crois qu'aujourd'hui, on a cette première étape qui a été faite avec cette rencontre avec les parlementaires. Il peut y avoir dans les partis la rencontre le soir d'un repas avec des parlementaires, mais on pourrait encore imaginer que pendant la session de printemps, on essaye d'obtenir des différentes fractions politiques qu'il y ait un point à l'ordre du jour de leur discussion sur les Suisses de l'étranger et qu'il y ait un délégué ou une déléguée qui vienne présenter les enjeux pour les Suisses de l'étranger et que cela se passe dans tous les groupes. Je pense que ce sont des éléments qui finalement renforcent la présence au Parlement, au-delà du groupe parlementaire, parce que finalement c'est là où les décisions se prennent.
C'est là où il faut obtenir les majorités, c'est là qu'il faut avoir des majorités de défense du budget pour les Suisses de l'étranger. Ça a été rappelé tout à l'heure par l'ambassadeur Griffith, qui effectivement nous disait que c'est dans le cadre des débats parlementaires, la commission des finances et en plénière, que l'on peut défendre les budgets. Et je crois que c'est l'amélioration de cet événement du mois de mars me paraît prioritaire par rapport au fait de maintenir un congrès dont la plus-value, elle est certes intéressante pour notre rencontre, mais du point de vue de l'image, du point de vue du fonctionnement, de la communication politique et de l'influence sur les parlementaires, relativement limitée. Merci. Danke, Carlo. Es ist, ich glaube, alles gesagt. Wir können in der Statutenrevisionsarbeitsgruppe, also die, ich bin nicht dort, die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe können mit Vorschlägen kommen, wenn sie die Kompetenzen anders verteilen müssen. Hängt ein bisschen zusammen mit der Rechtsform der ASO. Und diese Problematik, die Rechtsform, möchte, dass alle sich grundsätzlich bewusst sind. Wir sind zurzeit eine Stiftung. Dieser Rat ist ein Stiftungsrat. Wenn wir ein Loch von einigen hunderttausend Franken oder weiß nicht mehr machen, haften Sie alle, werte Delegierten, als Stiftungsräte. Der Vorstand ist bloß ein Ausschuss dieses Rates, versucht ihre Rechte auch zu schützen. Also solange wir die Rechtsform nicht geändert haben, müssen wir als Vorstand in ihrem Namen sehr sorgfältig mit den Finanzen gehen. Ich weiß, dass das Sekretariat, aber auch die Vorstandsmitglieder über die Jahre versucht haben, Geld zu finden. Ich wäre froh, natürlich mit Elisabeth arbeiten zu können. Wenn wir bessere Ideen finden und haben, dann arbeiten wir für eine bessere Finanzierung. Wir können immer noch zurück auf diese Ziele. Dieser Schein ist jetzt für die zwei nächsten Jahre. Wenn wir die Statuten ändern und die Finanzen verbessern und die Finanzierung eines Kongresses, eines großen Kongresses jährlich sichern können, dann werden wir es tun, sicherlich. Wir sind wirklich auf gute Ratschläge angewiesen und insbesondere gute Beziehungen, um Sponsoring oder Unterstützung von Stiftungen und so weiter für die Revue, für die Jugendlager, andere Frage, für den Kongress und so weiter angewiesen. Überall müssen wir uns anstreben. Wir haben es versucht, wir haben Leute, die im Sekretariat sich Mühe geben, das Sponsoring für dieses Kongress zu haben. Die Meldungen, die wir heute, die unerfreuliche Meldung ist, dass diese Unterstützung rückläufig nicht und nicht wächst. Wenn wir fähig sind, sie wachsen zu lassen, sehr gut, lassen wir es wachsen. Aber das ist ja. Sehr gerne öffnen wir diese Diskussion einmal wieder, wenn wir die Voraussetzungen ein bisschen geändert haben. Im Moment, glaube ich, müssen wir damit leben. Danke. Wir haben lange debattiert und ich bin froh, dass diese Debatte. Wer? Andreas. Ja, guten Tag, Andreas Felleriv, Großbritannien. Und noch ganz schnell, entschuldigen Sie bitte. Ich finde es sehr wichtig, wir sind alle haftbar, aber sehr viel zu sagen haben wir ja nicht hier. Ich finde, ein großes Problem ist das Format dieser Sitzungen. Ich verstehe sehr gut, es gibt viel zu besprechen, aber ich finde, es gibt keine Plattform, wirklich konstruktive Ideen zu bringen. Sie haben hier 120 Delegierte mit verschiedenen Kompetenzen, Netzwerken, Ideen, junge Leute, ältere Leute. Wir haben wirklich alles zusammen. Wieso brauchen wir uns? Setzen wir uns nicht zusammen. Wir kommen alle hier nach Luzern, vielleicht für ein paar Tage. Man könnte zum Beispiel eine Focus Group machen für 2 Stunden, in einem Raum sitzen und besprechen, okay, hat jemand eine Idee, was könnte man machen?
Ich finde, es ist nicht dynamisch genug. Und ich möchte doch den Vorstand dazu einladen, vielleicht mal das Format dieser Sitzungen zu besprechen und vielleicht auch etwas Zeit einzuplanen, damit wir als Delegierte auch etwas beitragen können. Danke. Danke, Andreas. Sehr gerne offen. Nachdem wir die Direktwahlen eingeführt haben werden, werden wir die neue Arbeitsgruppe Verbesserung der Lebenserfahrung im Rat und im Kongress einsetzen. Und, ich bin sicher, du kannst dort auch eine neue Dynamik einführen. Wir haben verschiedene Sachen versucht. Vor 2 Jahren waren wir in Bern und wir haben am Vortag des Rates einen Workshop, also 2 Workshops durchgeführt. Okay, also wir haben diese Workshops eingeführt, weil das die Möglichkeit gibt, mehr Beteiligung zu haben. Ja, natürlich, dieses Jahr nach dem Treffen mit den Parlamentariern sind wir weiterhin im Bundeshaus mit Workshops weitergefahren. Also das sind wirklich, scheint mir zu sein, die Möglichkeit, außerhalb einer festen Tagesordnung, außerhalb von statutarischen Grenzen, offen zu diskutieren und Beiträge zu bringen. Das haben wir gemacht, werden weiterhin tun und wir werden natürlich weitere Ideen auch entgegennehmen. Carlo. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aimerais juste relever à ce propos qu'il existe l'outil des groupes de travail qui a été mis en place et qui permet finalement d'abord à chaque délégué de proposer un groupe de travail et de voir avec des représentants de diverses régions du monde, de pouvoir prendre une thématique et ensuite la développer et venir avec des propositions. Il existe aujourd'hui des groupes de travail qui existent, qui fonctionnent et qui viennent avec des propositions. Donc ça, c'est déjà une réponse. Donc il y a d'une part la possibilité de créer un groupe de travail selon des règles et ensuite il y a la possibilité de participer à des travaux des groupes de travail qui sont même en dehors des séances du Conseil des Suisses de l'étranger puisqu'il y a tout un travail qui se fait par visioconférence. Et là, notamment, au comité, nous avons eu le retour du groupe de travail sur le vote électronique, qui est un groupe de travail qui fonctionne de manière extrêmement compétente et très réfléchie et qui permet d'avancer là-dessus. Il y a le groupe de travail qui est la réforme des structures, on en parlera tout à l'heure, des structures de notre fondation. Il y a un groupe de travail qui, sauf erreur de ma part, travaille sur la question des caisses maladie. Donc on voit qu'il y a la possibilité de participer. Alors est-ce qu'il faut organiser des séances formelles de ces groupes de travail en marge du Conseil, ça c'est quelque chose qu'on peut prendre et voir s'il le faut le faire de cette manière, ce qui permettrait en même temps d'ouvrir les portes à des personnes qui ne sont pas formellement dans le groupe et ensuite s'imprégner du travail et voir participer pour la suite. Ça c'est quelque chose que nous pourrons faire au comité. En tout cas, merci de la réflexion, mais sachez qu'il y a déjà quelques instruments qui sont à disposition pour une participation active. Merci beaucoup, Carlo. Je crois que nous avons mérité notre café maintenant. Et je vous donne 15 minutes de pause et je vous prie donc de revenir en salle à 11h50. Nous aurons justement les rapports des groupes de travail qui vont nous montrer tout ce qu'ils ont pu faire grâce à cette dynamique participative. Merci beaucoup. Bon café. 11h50.